Savais-tu que les animaux voyaient le monde différemment de nous ? Prenons ceci par exemple. Les pigeons ont en fait une meilleure vue que les humains. C'est fou, non ? Alors, essayons donc de voir le monde à travers les yeux de certains animaux. Commençons par les serpents. Leur façon de voir le monde est totalement différente de la nôtre. Ils ont des récepteurs spéciaux sensibles aux infrarouges dans leur museau. Cela leur permet de percevoir la chaleur émise par les mammifères à son chaud. Maintenant, passons aux vaches. Ces grandes gaillardes ne voient pas les couleurs aussi bien que les humains. Elles sont incapables de percevoir la couleur rouge, car elles ne possèdent pas les récepteurs nécessaires dans leur rétine. Elles perçoivent donc seulement des variations de bleu et de vert. De plus, elles n'aiment pas quand quelqu'un s'approche d'elles par derrière. Leur vision est presque panoramique et la seule zone qu'elles ne peuvent pas voir directement, c'est l'arrière de leur tête. Alors, si jamais tu te faufiles derrière une vache, assure-toi de te faire remarquer. Les chevaux ont un angle mort juste devant leur visage, en raison de la position de leurs yeux. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas voir les choses directement devant eux. De plus, ils ne perçoivent pas autant de couleurs que nous. Tout comme les vaches, leur monde est principalement composé de vert, de jaune et de bleu. Pauvres bêtes. Les yeux des poissons disposent de récepteurs ultraviolets et d'une lentille plus arrondie que la nôtre. Cela leur confère une vision à presque 360 degrés. En ce qui concerne les couleurs, ils sont capables de voir les mêmes que nous. Mais puisque la lumière se comporte différemment sous l'eau, ils ont du mal à distinguer le rouge et ses nuances. Les poissons des profondeurs peuvent facilement voir dans l'obscurité, ce qui est extrêmement utile. Les requins, en revanche, ne peuvent pas du tout distinguer les couleurs, mais ils voient beaucoup plus clairement sous l'eau que nous. Les oiseaux ont des façons assez uniques de voir le monde. Contrairement aux humains, ils peuvent distinguer la lumière ultraviolette. Cela les aide à différencier les mâles et les femelles de leur propre espèce, ainsi qu'à mieux se repérer dans leur environnement. De plus, ils sont très doués pour se focaliser. Ainsi, les faucons et les aigles peuvent se concentrer sur une petite souris dans un champ jusqu'à une distance de plus d'un kilomètre. Un pigeon peut percevoir toutes sortes de petits détails. Donc, si jamais tu as besoin de repérer une fissure dans le trottoir, demande simplement à un pigeon. Et au fait, ils ont un champ de vision de 340 degrés, et, de façon générale, leur vue est considérée comme deux fois plus affûtée que celle des humains. Et voilà, je suis jaloux d'un pigeon. Les insectes ont aussi des schémas de perception assez étranges. Les mouches, par exemple, ont des milliers de petits récepteurs oculaires qui travaillent de concert pour leur octroyer une vision globale de ce qui se passe autour d'elles. Et devine quoi, elles distinguent tout au ralenti. De plus, elles peuvent également voir la lumière ultraviolette, ce qui les aide à communiquer. Les abeilles ont leurs propres problèmes. Ces petites créatures sont incapables de reconnaître la couleur rouge. Pour elles, cela ressemble juste à du bleu foncé. C'est fou, non ? Passons aux rats. Ces petits gars ne peuvent pas non plus voir le rouge, mais ce n'est pas la partie la plus étrange. Chacun de leurs yeux se meut indépendamment, de sorte qu'ils voient double, tout le temps. C'est étonnant qu'ils ne se cognent pas plus souvent contre les murs, n'est-ce pas ? Les chats ne perçoivent pas les nuances de rouge ou de vert, mais ils distinguent les teintes marron, jaune et bleu comme des pros. Par ailleurs, ils ont une vision à grand angle, de sorte qu'ils ont une meilleure vision périphérique que la nôtre. Et il y a plus encore. Quand il fait complètement noir dehors, les chats se transforment en ninjas et voient jusqu'à 6 fois mieux que nous. Leurs pupilles s'adaptent à n'importe quelle luminosité comme par magie. Maintenant, parlons un peu des chiens. Nos compagnons à fourrure ne peuvent pas voir le rouge ni l'orange, mais ils excellent dans le bleu et le violet. Par ailleurs, ils peuvent différencier jusqu'à 40 nuances de gris. Bon, ça n'en fait pas 50, mais c'est quand même impressionnant. De leur côté, les grenouilles sont vraiment difficiles en matière de nourriture. Elles ne s'embarrassent pas avec des proies immobiles. Elles pourraient être entourées d'un buffet de délicieux insectes, mais si tout ça ne remue pas, les grenouilles ne s'en préoccuperont même pas. Et elles ne sont pas les plus fines observatrices non plus. Si quelque chose semble sans intérêt pour elles, comme une ombre par exemple, elles ne se donneront même pas la peine de regarder. Les caméléons ont des yeux qui peuvent bouger indépendamment l'un de l'autre. Ils peuvent donc voir tout ce qui les entoure sans même tourner la tête. Ils sont même capables de voir deux images en même temps, comme regarder deux films différents côte à côte. Plutôt balèze, non ? Et toi, que ferais-tu si tu avais tout à coup une vision à 360 degrés comme un caméléon ? Partage ton avis dans les commentaires. Le ligre est probablement l'animal hybride le plus populaire, et un chat incroyablement grand. Tu n'en croiseras pas dans la nature. On produit le plus souvent ce croisement de façon délibérée. Les lions et les tigres ne vivent pas dans les mêmes régions. Le ligre est un croisement entre un lion et une tigresse, et il peut devenir très grand en très peu de temps. Ce sont en fait les plus grands chats du monde. Hercule, le plus grand ligre connu, en est un exemple concret. 418 kg et 3,30 m de long. Imagine-toi l'emmener en promenade. Les ligres sont généralement bien plus grands que leurs parents. Dans la plupart des cas, ils se comportent et ressemblent plus à des lions qu'à des tigres.
mais ils ont aussi quelques traits du tigre. Par exemple, ils ont le dos rayé et adorent nager. Et maintenant, le tigron. Personne ne pourrait te reprocher de penser que le tigron et le ligre sont fondamentalement le même animal. Après tout, ils sont tous deux une combinaison de tigre et de lion. Mais le tigron est issu du croisement d'un tigre et d'une lionne. Il est généralement plus menu que ses parents et beaucoup plus petit que son cousin géant. Peut-on les qualifier de cousins ? Dans la plupart des cas, les tigrons héritent de l'allure charmante de leur père tigre, mais ils obtiennent aussi quelques traits intéressants du côté de leur mère. Par exemple, la socialisation et la capacité à rugir. L'un des animaux hybrides les plus rares au monde est sans conteste le balfin. Il est issu d'un croisement entre une femelle grand dauphin et d'un mâle fausse orque. Son nom peut porter à confusion, mais la fausse orque appartient à la famille des dauphins. Et elle n'est même pas apparentée aux orques. Les balfins sont un exemple très intéressant de mélange à 50-50 de leurs deux parents. Ils ont la peau gris foncé, soit le mélange parfait entre une fausse orque noire et un dauphin gris clair. Les dauphins ont entre 80 et 100 dents, les fausses orques en ont 44. Et leur petit hybride est à mi-chemin avec 66 dents. À quoi ressemblerait un croisement entre une algue et une limace ? Pas besoin d'imaginer, le résultat existe, et c'est une limace de mer. Elle vit dans les marais salés du Canada et de la Nouvelle-Angleterre, et c'est probablement la créature hybride la plus bizarre que tu verras dans cette vidéo, voire même dans le monde, mi-végétale, mi-animale. Certaines limaces semblent avoir eu la bonne idée de s'accaparer les gènes des algues innocentes, dont elles se nourrissaient, ce qui explique la similitude. Comme elles sont partiellement des plantes elles-mêmes, elles peuvent produire le pigment végétal appelé chlorophylle. Cela signifie que ces limaces inhabituelles sont même capables de photosynthèse. C'est le processus qu'utilisent les plantes pour transformer la lumière du soleil en énergie. Ainsi, elles produisent leurs propres molécules qui contiennent de l'énergie, sans avoir à manger quoi que ce soit. Lorsque les scientifiques l'ont découverte, la limace de mer était le premier cas d'un animal multicellulaire capable de produire de la chlorophylle. Qu'est-ce que tu obtiens si tu mélanges un léopard et une lionne ? Encore un hybride intéressant, appelé le léopon. Ces animaux sont presque aussi grands que les lions, mais ils ont des pattes plus courtes, comme leur père le léopard. Ils héritent aussi de certains de ces traits, comme la passion de l'escalade et de la natation. Il peut aussi y avoir une union entre un lion et un léopard femelle, et le résultat s'appelle un lipard. Les lions mâles mesurent généralement environ 3 mètres de long et pèsent environ 230 kg. La femelle léopard est beaucoup plus menue, avec seulement 1,50 m de long et 36 kg. La différence de taille est si importante que cette union n'est pas si fréquente. Bon, maintenant, pourquoi pas un bison avec une vache ? Quand tu étais petit, tu as peut-être pensé qu'il pouvait faire bon ménage, mais en réalité, cette combinaison crée un animal hybride inhabituel appelé le buffalo. Peu d'animaux hybrides peuvent se reproduire, mais le buffalo le peut. Quand un grizzly et un ours polaire s'accouplent, cela donne un ours appelé Growler ou Pizzly. Ou encore grizzlard, choisis celui que tu préfères. On peut même en voir dans la nature. Ces deux types d'ours se vouent généralement à mépris mutuel, et ils ne sont pas doués pour vivre ensemble dans un habitat commun. Mais, même si c'est rare, l'amour peut frapper n'importe où et donner naissance à ces adorables hybrides de couleur caramel. Dans la plupart des cas, ils seront un peu plus petits que les ours polaires. Ils mesurent en moyenne 1,50 m au garrot, et leur poids est d'environ 455 kg. Mais ils sont bien équipés pour survivre dans des climats plus chauds grâce aux gènes qu'ils ont reçus de leur famille grizzly. Passons maintenant à un animal plutôt coriace, le jaglion. Comme son nom l'indique, c'est un hybride issu du croisement entre un jaguar et une lionne. Nous ne savons pas grand-chose de ces grands félins intrigants, car il n'en existe que quelques spécimens. Mais un croisement imprévu entre un jaguar noir et une lionne a finalement donné naissance à deux petits jaglions. L'un avait un pelage gris foncé avec des taches noires à cause du gène dominant de la mélanine que possèdent généralement les jaguars noirs. L'autre avait une couleur de lion et les taches en forme de rosette du jaguar. Tu l'auras deviné, il existe aussi le liguar, un hybride entre une femelle jaguar et un mâle lion. En parlant de chats sauvages, as-tu déjà entendu parler de chats savana ? Ils appartiennent à la fois à la catégorie des animaux domestiques et à celle des hybrides exotiques, puisqu'ils sont le mélange d'un chat domestique et d'un type de serval africain hybride. On parle ici d'un animal étonnant, faisant presque la taille d'un chat domestique.
mais ce qui lui donne son aspect exotique, ce sont son long corps, ses formes élancées et son pelage tacheté. Ces chats sont des créatures extrêmement loyales, intelligentes et affectueuses. Voici maintenant un mélange inattendu, un zébroïde. Techniquement, c'est le nom qu'on utilise pour décrire un hybride venant du zèbre et de n'importe quelle espèce équine. Mais si tu fais s'accoupler un zèbre et une jument, leur petit s'appelle un zébrule. Les hybrides de zèbres ressemblent généralement à l'animal avec lequel ils ont été croisés, mais avec le pelage rayé d'un zèbre pur. La plupart de ces créatures hybrides n'ont pas un pelage entièrement rayé. Il y a des rayures, surtout sur les zones non blanches de leur corps et de leurs pattes. En parlant d'hybride de zèbre, regarde cette adorable créature. On l'appelle un zébrane. Il est généralement de couleur fauve, grise ou brune. On le distingue grâce à des rayures uniques qui sont plus foncées sur ses pattes et son ventre. Contrairement à certains hybrides comme le ligre, les zébranes peuvent normalement vivre à l'état sauvage. C'est d'ailleurs là qu'on les rencontre, vivant pleinement leur vie dans la savane et dans la brousse, principalement en Afrique. Peux-tu deviner ce qu'est un chabin ? Oui, c'est une combinaison de chèvres et de moutons. Et certainement l'une des créatures hybrides les plus adorables de cette vidéo. Les chabins sont très rares. Certains experts pensent même qu'il est possible qu'ils ne soient pas de véritables hybrides, mais simplement des moutons présentant certaines anomalies génétiques. Après tout, les moutons et les chèvres portent un nombre différent de chromosomes, ce qui signifie que les mélanges entre espèces sont presque impossibles. Quand on croise un dromadaire et un lama, on obtient une petite chose mignonne appelée kama. Semblable au buffalo, le kama rassemble les meilleurs traits de ses deux parents. Le premier kama est né en 1998. Les kamas n'ont pas de bosse, leur corps est recouvert d'une fourrure douce et molletonnée, semblable à celle du lama. Ils peuvent boire de grandes quantités d'eau à la fois, ce qui leur permet de survivre sans eau pendant de très longues périodes. Le coyote-loup est un hybride qui n'a pas l'air si inhabituel pour la plupart des gens, puisque le coyote et le loup n'ont pas une apparence si radicalement différente. Après tout, ces deux espèces n'ont divergé qu'il y a environ 200 000 ans. Aujourd'hui, ils sont encore capables de s'accoupler et de donner naissance à des coyote-loups. Les personnes vivant dans l'est du Canada et des États-Unis connaissent peut-être ces animaux intelligents et adaptables qui peuplent leurs forêts, leurs parcs et leurs quartiers, ou parfois même leurs villes. Ces hybrides sont apparus aux environs du siècle dernier. Et ils ont repris les caractéristiques de leurs deux parents. Lorsqu'un coyote-loup est adulte, il a une taille intermédiaire entre celle de ses deux parents. Mais il pèse aussi 25 kg de plus que les coyotes purs et a une plus grosse mâchoire, des pattes plus longues, des oreilles plus petites et une queue plus touffue. Voici maintenant le narluga, une créature extrêmement rare, issue du croisement entre un narval et un béluga. C'est un animal assez étrange, mais loin d'être solitaire, qui vit principalement dans l'Atlantique Nord. Les scientifiques soupçonnaient son existence depuis des décennies. En 1990, ils ont trouvé un crâne de baleine d'apparence inhabituelle dans la cabane à outils d'un chasseur inuit au Groenland. Les gens de cette région ont dit qu'il y avait d'autres animaux d'apparence similaire et qu'ils ne correspondaient à la description ni d'un beluga ni d'un narval. Ils ont dit qu'ils avaient la peau grise, une queue semblable à celle du narval et des nageoires semblables à celle du béluga. Les narvals et les bélugas ont une taille similaire et ils partagent une même famille, celle des monodontidés. Il n'est donc peut-être pas si surprenant qu'ils puissent se reproduire avec succès dans la nature. Le mégalodon était l'une des créatures les plus grandes et les plus féroces de notre planète. Mâchoire puissante, dents tranchantes comme des rasoirs, taille gigantesque. Mais connais-tu le son qu'il faisait ? Imagine-le grogner, imprégnant le monde sous-marin de vibrations sonores. Ce son ne ressemblait à rien d'autre. Le mégalodon ne poussait pas de cris, c'était un requin et ils n'ont pas d'organes producteurs de son. C'était un danger muet. Mais malgré cela, tu aurais quand même pu l'entendre. Imagine-toi sous l'eau, lève la main et baisse-la rapidement. Imagine maintenant que tu as un gros sous-marin à la place de la main. Tu entends l'eau se déplacer autour de la coque. C'est à ça que ressemblait le bruit du mégalodon. Quand ce monstre montait à la surface et ouvrait ses mâchoires, cela faisait le bruit d'une chute d'eau. Ce requin géant nageait à grande vitesse. Quand l'eau passait à travers sa bouche et ses branchies, on aurait dit une rivière qui coulait. Un puissant torrent. Le mégalodon ne produisait pas de son à part celui de l'eau qui coule. D'autres anciens poissons pouvaient émettre des sons, mais on les entendait à peine. Je ne parle pas des baleines, dauphins et de leurs ancêtres, car ce sont des mammifères.
Les poissons communiquaient sur des fréquences inaudibles à l'oreille humaine. Certains ont encore cette capacité. Mais dans l'ensemble, l'océan était et reste un endroit plutôt silencieux. Allons donc sur les terres anciennes pour écouter quel genre de son y était produit. Grâce aux technologies modernes, les scientifiques peuvent recréer les sons que produisaient de nombreuses espèces disparues. En utilisant des scanners, ils ont découvert que certains dinosaures possédaient des systèmes complexes de petits trous dans le crâne qui leur permettaient de produire un large éventail de sons et de réguler la température de leur corps. Et on a réussi à les recréer. Le Vegavis, un ancien oiseau qui vivait il y a 79 à 145 millions d'années, émettait un cri similaire à celui de certains oiseaux de basse-cour comme le canard et l'oie. Mais cette créature le faisait de manière bien plus effrayante. Les scientifiques l'ont découvert grâce à un fossile de syrinx trouvé en 2016 en Antarctique. Il s'agit du plus ancien organe vocal connu au monde. Il aidait le Vegavis à produire un double cancanement. Imagine une oie et un canard qui crient et démultiplient le volume. C'est à ça que ressemblait son cri. Les autres reptiles volants, comme le ptérodactyle, ne pouvaient pas crier comme le mégavis, car ils n'avaient pas de syrinx. Ces monstres ailés pouvaient grogner, siffler et claquer du bec, et c'était déjà bien efficace. Prends n'importe quel grand joueur de basket. Le crâne du ptérodactyle était légèrement plus grand. Imagine le bruit que faisait le dinosaure lorsqu'il faisait claquer un tel bec. Cela devait suffire à effrayer les autres créatures. Tu sais sans doute le bruit que faisait un tyrannosaure grâce au film, et tu reconnaîtrais parmi des milliers son rugissement semblable à un bruit de tronçonneuse, d'aspirateur et de corne de brume. Eh bien, ce rugissement n'est pas vraiment proche du vrai son que ce monstre pouvait émettre. Grâce aux technologies modernes et à des fossiles bien conservés, les scientifiques ont réussi à simuler le cri de ce titan. Imagine-toi en train de télécharger des données de T-Rex dans un programme et que tu te prépares à entendre son rugissement terrifiant. Tu appuies sur lecture et... ça ressemble à un gazouillement. Le cri du Tyrannosaurus rex était plus semblable à celui d'un oiseau et non d'un mammifère. Mais ce n'était pas juste un cri. Il utilisait ses narines pour crier et pas sa gueule. Un bourdonnement sortait de sa poitrine et ressemblait à une sirène avec plus de basse. Ça avait l'air bien plus intimidant que ce qu'on voit dans les films. C'était plus fort que toutes les trompettes d'un orchestre symphonique réuni. Et il le faisait uniquement à travers le nez. On ne sait pas avec certitude s'il pouvait rugir ou non par la gueule. On peut aussi entendre le son des dinosaures à long cou dans les films. Leur cri était similaire à ceux des éléphants. Quelque chose entre un saxophone et un klaxon de voiture. Mais en fait, ces grandes créatures chuchotaient. Presque tous les mammifères émettent des sons grâce au nerf laryngé. Ce nerf descend le long du cou, puis contourne les vaisseaux sanguins de la poitrine et revient au larynx. En gros, le cerveau donne un signal et celui-ci parcourt deux fois la distance du cou avant de sortir par la bouche. Souviens-toi du long cou de ces dinosaures. Il faisait la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Mais le signal vocal devait parcourir l'équivalent de 10 étages. Cela prenait beaucoup de temps, ce qui affectait leur rugissement. Donc, quand ils voulaient émettre un son, ils sifflaient simplement comme pourrait le faire une vipère géante. Mais le son le plus détaillé que les scientifiques ont réussi à obtenir est celui du Parasaurolophus. On reconnaît ce dinosaure herbivore grâce à sa longue crête à l'arrière de sa tête. Dans les films et documentaires, on le voit l'utiliser pour combattre ses adversaires. Certains scientifiques pensent qu'il l'utilisait aussi pour faire tomber les fruits et les feuilles des arbres. D'autres pensent qu'il en avait besoin pour améliorer son odorat. Mais il s'est avéré qu'en plus de la défense et du combat, ils utilisaient leur crête pour émettre des sons puissants et effrayants dans différentes tonalités. Les scientifiques les ont reproduits avec une précision fantastique grâce à la structure de ces tissus durs. Presque tous les êtres vivants dotés d'une voix utilisent des organes mous pour émettre des sons. Ceux-ci se décomposent rapidement. Mais le Parasaurolophus en avait des solides. Sur un crâne, on a remarqué que des tubes reliaient les narines à la crête et revenaient à ces dernières. C'était comme un tourne-bout, un instrument avant courbé. Cela prouve que ce dinosaure utilisait la crête située à l'arrière de sa tête pour amplifier ses cris, ce qui lui permettait de claironner pour que ses proches puissent l'entendre dans la forêt. Il produisait une sorte de bourdonnement avec des notes basses et hautes. Mélange un saxophone et une trompette au cri d'une oie, à un klaxon de voiture et ajoute des basses fréquences, puis augmente le volume.
C'est à ça que ressemblait le cri du Parasaurolophus. C'est aussi à ça que ressemblait ma classe de CM1. Mais bref, tu peux écouter différents sons de ce dinosaure sur Internet. Il émettait des bruits de tonalités différentes pour créer des liens sociaux complexes. Il pouvait communiquer, s'identifier, annoncer un danger ou au contraire, signaler ses intentions amicales. Nous venons d'entendre le bruit que faisaient certains anciens reptiles. Mais qu'en est-il des anciens insectes ? Ils n'avaient pas de cordes vocales, mais ils utilisaient la friction entre certaines parties de leur corps. Regarde les grillons modernes qui gazouillent avec leurs ailes. Une aile a de minuscules encoches et la seconde a la forme d'un médiator. Passe le bout de ton doigt sur les dents d'un peigne en plastique. C'est le même principe. Leurs ailes vibrent et créent des ondes sonores. Mais le bruit créé par un ancien grillon était très différent de celui des insectes modernes qui étaient bien plus bruyants. Le son émis ressemblait plus à un sifflement. À l'aide d'ondes à haute fréquence, il pouvait également communiquer secrètement comme s'il le faisait sur un canal radio sécurisé. Si tu entendais cela, tu aurais sans doute du mal à t'endormir. Aujourd'hui, nos grillons sont moins bruyants, car ils utilisent plus de haute fréquence. Les ondes plus aiguës se propagent moins loin, ce qui réduit le risque qu'une chauve-souris ne les entende. Imagine le bruit de la jungle à cette époque. Le puissant gazouillis des grillons te fait mal aux oreilles. Puis tu entends le sifflement d'un brachiosaure. Les claquements de bec d'un ptérodactyle font l'effet d'un coup de tonnerre. Puis viennent des sons de trompette quelque part dans la jungle. Ce sont des Parasaurolophus qui communiquent entre eux. Et puis tu es effrayé par la sirène d'un tyrannosaure. Impossible de trouver la paix dans de telles conditions. Heureusement, les humains sont apparus plusieurs millions d'années plus tard. D'ailleurs, les scientifiques ont réussi à découvrir à quoi ressemblait le son de nos ancêtres. Ils ont soigneusement examiné la position de la bouche, du nez et de la gorge sur le squelette de l'homme de Néandertal. Sa voix était similaire à la nôtre, mais la gamme phonétique d'un adulte était la même que s'il avait 2 ou 3 ans. Une sorte de marmonnement sans consonne. L'étude du crâne n'a pas permis de recréer précisément la voix des Néandertaliens, mais en 2007, des scientifiques ont extrait des échantillons d'ADN de leurs os. Ils ont trouvé une variation du gène correspondant à la parole humaine. Les scientifiques pensent que les Néandertaliens se sont battus avec les Homo sapiens. À la suite de ce conflit, leur espèce s'est éteinte. Mais le gène découvert indique qu'ils auraient pu aussi avoir d'autres liens entre eux. Peut-être que les Néandertaliens pouvaient comprendre leur langue et même prononcer certains mots. Méduse et corail. L'un ressemble à une plante, tandis que l'autre nage comme un poisson. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils sont liés. Ils appartiennent tous deux à la même famille de créatures dotées de tentacules urticants. Aïe ! C'est difficile à croire, mais le corail est en réalité un animal. Les plantes fabriquent leur propre nourriture, or les coraux ne le font pas. Ils sont constitués de milliers de polypes, qui sont de minuscules créatures coralliennes. Ils ont des sortes de petits bras en forme de tentacules qu'ils utilisent pour attraper la nourriture et la projeter dans leur bouche. Ils ont l'air innocents et inoffensifs, comme une fleur marine qui reste là à ne rien faire. C'est probablement ce que pensent aussi les méduses qui flottent près d'eux, se cachant des plus gros prédateurs. Mais quand elles s'y attendent le moins, le corail en attrape une. Les biologistes ont été surpris par la puissance du corail. Attraper un animal plus gros qui bouge alors que lui est immobile nécessite un solide travail d'équipe. Quelques polypes attrapent la cloche de la méduse avec des tentacules, tandis que d'autres s'attaquent rapidement aux bras qui lui servent à se nourrir. Et la pauvre créature n'a aucune chance de s'échapper. Comme ce sont des cousins éloignés, les scientifiques pensent que les coraux sont immunisés contre le venin de la méduse. Scorpion et tique. Les tiques ressemblent en tout point à des insectes, mais en remontant leur lignée, les scientifiques ont réalisé qu'elles sont étroitement liées aux scorpions. Ils se nourrissent tous deux d'aliments liquides, ont un grand sens de l'odorat qu'ils utilisent pour trouver de la nourriture et ont 8 pattes. Les scorpions sont meilleurs pour survivre dans des conditions difficiles. Ils peuvent passer une année entière sans manger. Mais lorsqu'ils mangent, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, ils ne s'attaquent pas seulement aux petites bestioles comme les insectes et les araignées, mais aussi aux souris et à certains lézards. Il semble que les deux soient là depuis plus de 400 millions d'années, soit bien avant l'arrivée des dinosaures. Les scientifiques pensent qu'ils pourraient être parmi les premiers animaux à être passés de l'eau à la terre. On a retrouvé la griffe fossilisée d'un scorpion de mer de 46 cm de long, ce qui implique que la bête elle-même faisait à peu près 2,50 m de long. D'ailleurs, après avoir trouvé la pince, les scientifiques ont réalisé que les crabes, scorpions et araignées géants étaient bien plus grands que nous le pensions.
suricates et civettes. Ils ressemblent à des chats et pourtant, aucun des deux n'a le moindre lien de parenté avec ces félins. Mais ils ont un corps assez long et agile, ce qui en fait des cousins éloignés des belettes et des mangoustes. Ils élèvent tous deux leurs petits dans des tanières souterraines, mais les suricates aiment le travail d'équipe. Ils font la plupart des choses ensemble, ce qui inclut prendre soin des petits et les élever. À l'inverse, les civettes sont plutôt des introvertis, qui n'aiment pas les réunions de groupe. À la naissance, elles ont une fourrure complète, peuvent bouger et sont pratiquement prêtes à découvrir le monde. Les suricates, au premier stade de leur vie, n'ont pas les sens très développés et ont besoin d'un peu plus de temps pour mûrir. Parvenus à l'âge adulte, ils sont plutôt résistants. Ils sont assez forts pour survivre au venin des serpents, ont leur propre méthode pour attraper les scorpions, ont une excellente vision et sont capables de survivre sans eau. Ils ne tirent leur liquide que de ce qu'ils mangent. Les civettes sont nocturnes, tandis que les suricates apprécient une bonne nuit de sommeil et sont actifs pendant la journée. Humains et kangourous. Nous nous sommes en quelque sorte séparés il y a environ 150 millions d'années, mais nous avons toujours une lignée commune et comme les scientifiques l'ont découvert il y a quelques années, un génome presque identique. Cela pourrait nous donner plus de réponses sur ce que nous étions à l'époque. Bien que la main droite soit dominante chez la plupart des humains, certains d'entre nous sont gauchers. Or, c'est la même chose pour les kangourous. Après avoir commencé à marcher sur deux pattes, ils ont eu deux mains libres pour effectuer d'autres tâches. C'est alors qu'un côté est naturellement devenu dominant. Quant à la queue, les kangourous, comme la plupart des mammifères, en ont une pour un meilleur équilibre, surtout lorsqu'ils courent. Dans notre arbre généalogique évolutif, la queue a disparu. Les gorilles, les chimpanzés et les autres primates, y compris nous, n'en ont pas. Les animaux à quatre pattes ont besoin de beaucoup d'énergie pour chaque pas qu'ils font, alors que nous pouvons marcher sur deux pattes plus facilement grâce à la gravité. Chaque fois que nous faisons un pas, elle nous tire en quelque sorte vers l'avant. Ainsi, nous utilisons 25% d'énergie en moins que si nous marchions à quatre pattes. Si bien qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de queue pour nous équilibrer. Fourmis et abeilles. S'il y avait une réunion de famille, les abeilles n'inviteraient pas les guêpes. Les scientifiques ont longtemps pensé que les fourmis étaient les parents les plus proches des guêpes. Il s'avère qu'elles ne sont liées qu'à certaines espèces, comme les guêpes creuseuses, et plus probablement aux abeilles. Les fourmis et les abeilles ont toutes deux des yeux spécifiques composés de facettes minuscules et des antennes. Elles sont toutes les deux des créatures sociales, vivent en groupes plus importants, elles sont travailleuses et apprécient le travail d'équipe. Elles construisent des nids et y retournent après avoir mangé. Elles sont aussi toutes deux très responsables. Les fourmis nettoient l'environnement, enlèvent les feuilles, les restes de nourriture, les restes d'insectes, mangent les insectes nuisibles et creusent des tunnels qui aident les plantes à mieux pousser car davantage d'air atteint alors le sol. Les abeilles fabriquent du miel et pollinisent les fleurs, ce qui explique en partie pourquoi la nature est si diversifiée. Oiseaux et dinosaures. Les oiseaux viennent d'un groupe de carnivores auquel appartient aussi le T-Rex, appelé théropode. Les fossiles d'anciens oiseaux datent de 150 millions d'années. Ils ressemblaient à de petits dinosaures avec des plumes et aussi des dents pointues. Mais de nombreux dinosaures avaient aussi des plumes et pas seulement ceux qui pouvaient voler. Les jeunes T-Rex sortaient de l'œuf sous la forme de boules molles et duveteuses comme les oisillons. Les plumes étaient utiles pour garder au chaud et les protéger. Le Vélociraptor était aussi couvert de plumes et avait des poignets et des chevilles articulées ainsi que trois orteils. Certains dinosaures avaient aussi des os creux, certains s'asseyaient sur les œufs pour les tenir au chaud, tandis que d'autres dormaient la tête sous le bras avec les membres repliés comme les oiseaux. Et leurs griffes étaient aussi similaires. Baleines et vaches. Il y a très longtemps, environ 50 millions d'années, un petit animal se promenait sur les rivières du sud de l'Asie. Il avait des sabots et des pattes fines. La créature se nourrissait sur la terre ferme, mais lorsqu'elle sentait un danger arriver, elle sautait dans l'eau pour être en sécurité. Cet animal, appelé Indoïus, était le plus ancien parent de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de baleine et de dauphin. Une fois que cette créature inhabituelle est arrivée dans l'eau, la façon dont elle a évolué en baleine est devenue plus claire. Ses cousins qui sont restés sur la terre ferme ont pris une direction différente. Ils sont ce que nous connaissons aujourd'hui comme les mammifères à sabots, notamment les vaches, les moutons, les cochons, les girafes, les chameaux, les cerfs et même les hippopotames. Limules et araignées. Les limules ont une carapace semblable à celle des crabes et passent la plupart de leur temps à ramper au fond de la mer. Mais malgré ce comportement, elles sont plus apparentées aux araignées qu'aux crabes qu'elles côtoient probablement.
Les limules ont 10 yeux sur les côtés et le dos, du sang bleu, et peuvent remplacer certaines des parties de leur corps. Elles ont un corps segmenté avec des pattes articulées, tout comme les araignées. Elles se trouvent sur Terre depuis 500 millions d'années déjà, et leurs ancêtres préhistoriques pouvaient mesurer jusqu'à 60 cm. Elles avaient des queues assez longues qu'elles utilisaient comme outils pour creuser lorsqu'elles avaient besoin de trouver de la nourriture. Avec leur queue, elles pouvaient même se redresser lorsqu'elles se retrouvaient à l'envers. Heureusement pour nous, elles n'ont jamais suffisamment évolué pour finir par marcher sur la terre ferme, comme le font leurs cousines. Voici un trio intéressant. Les tapirs, les chevaux et les rhinocéros. Bien que les tapirs ressemblent plus à d'adorables cochons avec des trompes, ils ne sont apparentés ni à ceux-ci ni aux éléphants. Les rhinocéros sont originaires d'Amérique du Nord et les premiers ne ressemblaient pas aux gros cailloux à la peau épaisse que nous connaissons aujourd'hui. C'étaient des mammifères élancés de la famille d'un poney. Certains des premiers chevaux peuplaient également ces régions et ressemblaient à de petits chiens avec des sabots. Les premiers tapirs étaient petits aussi. Les scientifiques ont aussi découvert un petit mammifère à sabots dont le nom scientifique est Cambaïterium. Il vivait en Inde, laquelle était une île à l'époque, il y a plus de 50 millions d'années. Les os de sa mâchoire inférieure étaient soudés et la créature était herbivore, tout comme les chevaux et les rhinocéros. Il n'était pas leur ancêtre, mais il a aidé les scientifiques à comprendre comment ces trois-là appartiennent au même groupe. Éléphants et lamantins. Les vaches de mer marchaient autrefois sur la terre ferme. Et la preuve en est que les scientifiques ont découvert un animal intéressant, le pézozyrène, issu de l'arbre généalogique primitif de la vache de mer. Il vivait dans la Jamaïque préhistorique et s'est éteint il y a 40 millions d'années. Le lamantin actuel pèse le poids d'un piano standard et on peut le trouver dans les rivières et les eaux côtières peu profondes des Caraïbes, de l'Amazonie, de l'Afrique de l'Ouest et du sud des États-Unis. L'éléphant pèse autant qu'un bus scolaire et vit dans les régions tropicales d'Asie et d'Afrique. Ces deux-là ont pris des chemins différents, mais à voir cette créature à l'allure inhabituelle, on devine le lien qui existe entre eux. Tu appelles ton chat adoré pour qu'il prenne son repas. Gratouille! Soudain, tu entends de forts bruits de pas. La vaisselle sur la table à manger tinte à chaque coup. Un tableau tombe du mur. Est-ce un tremblement de terre? Non, c'est un chat de la taille d'un poney qui entre dans la salle à manger. Il a besoin de 10 fois plus de nourriture qu'un chat standard et il ronronne comme un tracteur. Non, Gratouille, arrête de trouler par terre, tu vas renverser l'armoire. C'est un scénario possible pour l'évolution des animaux dans le futur. Le climat, l'eau, l'oxygène dans l'air et même la gravité sont des facteurs qui influencent le cours de l'évolution. Par exemple, les scientifiques prévoient que certaines espèces d'oiseaux perdront progressivement leurs plumes. À l'avenir, ils ressembleront à des sphinx avec un bec et des ailes. La même chose pourrait arriver à nos animaux de compagnie. Petit à petit, leur fourrure réduira de volume jusqu'à ce qu'ils soient complètement chauves. Les nuisibles urbains comme les pigeons et les rats vont devenir encore plus gros, de la taille d'un chat. Il y a quelques millions d'années, les rats avaient à peine la taille de ton petit doigt. C'est parce qu'ils se cachaient dans de petits terriers et devaient être presque invisibles pour les grands prédateurs. Aujourd'hui, ils vivent dans les caves confortables que les humains ont construites. Ils peuvent y créer des nids douillets et la grande quantité de nourriture dans les poubelles les empêche de mourir de faim. Ils se sentent donc très à l'aise et continuent à grandir en taille. Plus encore, les rats ont déjà développé une fourrure huileuse pour que l'eau polluée ou toxique puisse glisser sans leur faire de mal. Les mammifères qui se nourrissent de plantes, en revanche, risquent d'avoir la vie dure. Leur nourriture va progressivement diminuer. Avec le temps, il y aura moins de forêts et de verdure sur la planète, et certaines plantes disparaîtront complètement. Finalement, certains animaux comme les cerfs, les éléphants, les girafes et d'autres deviendront de plus en plus petits à cause du manque de nourriture. En plus de rétrécir, les mammifères auront des yeux plus petits pour ne pas perdre l'eau de leur corps. Et leurs oreilles deviendront plus grandes pour évacuer la chaleur. Leurs queues deviendront plus longues pour balayer les insectes. Comme les mammifères terrestres deviendront plus petits, les oiseaux vont augmenter en taille. C'est parce qu'ils pourront inclure dans leur régime alimentaire des animaux de plus en plus petits. Et les muscles des oiseaux deviendront beaucoup plus puissants car ils devront voler sur de longues distances à la recherche de nourriture. Les animaux des régions chaudes et sèches seront plus susceptibles d'apprendre à obtenir de l'eau à partir de l'air. Pour ce faire, ils auront besoin de longues voiles ou de lambeaux de peau. Tôt le matin, lorsque l'air est plus frais, l'humidité s'accumulera sur ces nouvelles parties de leur corps et certains lézards verront leur collier augmenter en taille. Ils seront alors capables de recueillir davantage d'eau de pluie.
Quant au monde marin, on peut déjà voir certains poissons sauter hors de l'eau pour attraper des insectes. Au cours de l'évolution future, les nageoires des poissons deviendront peut-être plus longues et plus fortes pour qu'ils puissent sauter plus loin. Et progressivement, ces nageoires se transformeront en ailes pour en faire de véritables poissons volants. Peut-être qu'à l'avenir, ces poissons chasseront de petits oiseaux. Pour ce faire, ils apprendront à retenir leur souffle plus longtemps et à voler beaucoup plus haut. Mais les gros poissons et les mammifères marins auront la vie dure. L'océan va se réchauffer et certaines espèces vont commencer à disparaître. Le plus grand habitant du monde aquatique, la baleine bleue, qui a la taille de 2 autocars, verra sa taille diminuer, car il y aura moins de nourriture pour elle dans l'océan. A l'inverse, la population de lézards et de reptiles va prospérer. Ces animaux sont doués pour absorber la chaleur. Et avec le changement climatique, il y aura plus d'insectes sur notre planète. Ce qui signifie plus de nourriture pour les lézards. Ils commenceront à grandir en taille, mais ils devront aussi se défendre contre les gros oiseaux. Leurs pattes deviendront plus longues et plus fortes. Ils pourront donc courir beaucoup plus vite afin de ne pas se faire attraper par les prédateurs du ciel. Quant aux insectes, leur nombre va tout simplement exploser. Les insectes vivront probablement en énormes essaims et voleront partout à la recherche de nourriture. Mais ils seront en colère et affamés, parce que leur source habituelle de nourriture, les mammifères, aura soit cessé d'exister, soit diminué de taille. Les humains vont changer aussi. Les scientifiques prédisent que d'ici 1000 à 1 million d'années, nous perdrons complètement nos cheveux. Nos membres deviendront plus fins et plus longs. Et nous mesurerons en moyenne 2,10 m. Nos pieds perdront très probablement leurs orteils, car ils ne sont plus nécessaires pour garder notre équilibre. Notre tête et notre cerveau ressembleront davantage à un ballon, et notre espérance de vie sera de plus de 100 ans. Comme les humains sont au sommet de la chaîne alimentaire et ne subissent pas la sélection naturelle, nous deviendrons progressivement semblables les uns aux autres. Dans des dizaines de millions d'années, tous les humains auront probablement la même apparence. De plus, nous développons la technologie du génie génétique, nous créerons des lapins lumineux, des vaches d'une taille incroyable, des chèvres tisseuses de toile, des cochons super musclés et plus encore. Mais nous sommes davantage intéressés par savoir comment les animaux vont évoluer par eux-mêmes. Si nous faisons un bond rapide dans le temps, les humains vivent depuis longtemps sur d'autres planètes et dans d'autres galaxies. La Terre n'abrite plus depuis lors que des animaux et des plantes. Les seules traces des humains sur la planète sont des villes géantes en métal et en béton qui sont enterrées profondément sous terre. Le ciel est désormais peuplé de créatures incroyables, comme le Necroptérix, à mi-chemin entre une autruche et un vautour, de la taille d'un humain adulte. Leur bec long et puissant est leur principal outil pour se protéger des prédateurs et pour manger. Leurs pattes fortes, dotées de longues griffes, en font d'excellents coureurs. Cette créature peut marcher des dizaines de kilomètres en une journée. Le Necroptérix a besoin d'une fourrure ou de plumes chaudes, car sans les humains et l'effet de serre, la température sur Terre a désormais baissé. Mais avec leur fourrure chaude, ils pourront survivre même à une nouvelle ère glaciaire. Et comme les autruches, ils se reproduiront en pondant des œufs. Voici une musaraigne parachute. C'est une musaraigne ordinaire de quelques centimètres de long, mais elle a une caractéristique particulière. Un parachute au bout de sa queue. Lorsqu'elle est petite, elle vit dans le nid de ses parents. Mais quand elle le quitte, elle se lance dans les airs et ouvre un parachute fait d'une fine fourrure. Les courants d'air chaud s'élèvent et la transportent. Elle peut passer jusqu'à 24 heures dans les airs. Ensuite, elle ira nicher ailleurs et ses petits quitteront son nid de la même façon. Voici maintenant le vaca. Cet animal ressemble à une girafe rayée avec seulement deux pattes. Ce sera l'une des créatures les plus rapides de notre planète. Aucun prédateur ne pourra le battre dans une course. De plus, ses yeux sont perchés haut sur sa tête. Et avec son long cou, le vaca peut voir une menace même s'il est assis dans les hautes herbes. Les térabites sont les descendants des termites qui apparaîtront sur Terre dans 200 millions d'années. S'ils voient une menace, ils cracheront un flux de produits chimiques acides de leur énorme tête. Même les plus grands prédateurs auront peur de les approcher. Le Ridstilt mesure environ 1 mètre et pèse presque autant qu'un humain adulte. Grâce à son pelage rayé, il est presque invisible dans les roseaux. Il marche sur ses fines pattes dans les terrains marécageux et se nourrit de petits poissons. Son long cou et ses dents acérées lui permettent de s'élancer dans l'eau presque comme un cobra. Il attrape les poissons et les avale presque entiers. Mais toutes ces prédictions sont très spéculatives. Il y a des milliards de facteurs qui influencent le cours de l'évolution et ils pourraient aller dans l'autre sens à tout moment. Par exemple, un astéroïde peut frapper la Terre, provoquant une extinction massive et modifiant le climat de notre planète.
un petit pourcentage d'organismes survivants commencerait alors à s'adapter aux nouvelles conditions. Dans quelques millions d'années, nous verrions des animaux que personne n'aurait pu imaginer. Encore raté! Tu viens de perdre une heure à courir partout avec un journal enroulé en essayant d'attraper cette mouche qui n'arrête pas de bourdonner autour de ta tête. Trois questions. Pourquoi n'a-t-elle pas peur de toi? Pourquoi ne part-elle pas ailleurs? Et comment se fait-il qu'elle soit si incroyablement rapide? Les mouches ont en fait une vitesse assez normale pour leur taille. C'est toi qui es juste un peu trop lent. Le cerveau d'une petite mouche réagit plusieurs fois plus vite que le tien à ce qu'elle voit. Une seconde pour toi équivaut à 5 ou 6 secondes pour une mouche. Quand une mouche te regarde, elle te voit comme si tu étais au fond d'une piscine, en train de te déplacer très lentement. Lâche un ballon de baudruche par la fenêtre de ta chambre et regarde-le tomber par terre. C'est à peu près la lenteur avec laquelle une mouche voit se mouvoir les choses. Elle a donc des réflexes dignes d'un ninja, mais elle a aussi des yeux spéciaux. Ils sont divisés en milliers de récepteurs qui captent la lumière en même temps. Tu utilises de petits muscles pour tourner tes yeux et ta tête afin de regarder dans différentes directions. Les mouches n'ont pas ces muscles, elles n'en ont pas besoin. Elles peuvent voir dans toutes les directions en même temps, ou presque. Peu importe de quel côté tu attaques, cette mouche va presque certainement te voir venir. Tu as probablement déjà vu des avions supersoniques dans les films, volant et se retournant à une vitesse incroyable. Une mouche est à peu près comme ça, mais avec des ailes bien plus élaborées. Elle peut changer de direction en plein vol, s'arrêter et esquiver tout obstacle. Elle peut même calculer une trajectoire de vol avant de décoller. Bon, cette fois, tu vas vraiment écraser cette mouche. Tandis que tu lèves ton papier enroulé, le cerveau de l'insecte calcule où il va atterrir. La mouche met immédiatement son corps dans la position parfaite, prête à effectuer une manœuvre d'évitement. Si ta main se déplace devant l'insecte, ses pattes s'inclinent immédiatement vers l'arrière pour l'aider à s'envoler dans l'autre direction. Waouh ! Cette mouche ferait un excellent boxeur, ou un très bon gardien de but. Mais pourquoi cette mouche se donne-t-elle la peine de rester dans le coin alors que tu essaies sans cesse de l'écraser ? Eh bien, parce que ton corps est un festin 5 étoiles et que ta peau est la table du buffet, avec des rangées et des rangées de délicieuses friandises. Quand tu te déplaces dans la journée, ta peau libère de la sueur, des protéines, des glucides, du sel, du sucre et d'autres produits chimiques dont les mouches raffolent. Imagine que tu marches dans le désert et que tu as faim et soif. Tu arrives sur une grande dune de sable et tu l'aperçois. De la nourriture à volonté. Des tables de fruits, des sucreries, des sandwichs et la plus grande fontaine de soda au monde. Le videur a l'air d'être gros, dur et... rond ? C'est une tortue géante. Maintenant, tu sais pourquoi la mouche reste dans les parages. Tu es la tortue. Tu as pourtant une petite chance d'écraser cette mouche, mais elle va quand même s'échapper 8 fois sur 10. Disons qu'une mouche est posée sur la table de ta cuisine. Voici ce que tu dois faire. Tu dois viser quelques centimètres devant l'endroit où tu penses qu'elle va s'envoler. Le cerveau de la mouche pensera que tu vises droit sur elle, donc tu peux la déjouer et la prendre par surprise. Le problème ? Il est très difficile de prédire le chemin que prendra la mouche pour s'échapper. Si tu es trop lent, pourquoi ne pas appeler du renfort ? Voici la scie Sindel, vitesse 2,5 mètres par seconde. Elle ne peut pas voler, mais ça n'a pas d'importance. Ce coléoptère court si vite qu'il perd la capacité de voir lorsqu'il se déplace. Il identifie une cible et ensuite se met à courir sur elle. Ce n'est pas un ninja comme la mouche et il ne peut pas changer de direction à mi-chemin. Il doit s'arrêter avant chaque course. Tu marches à environ 1,5 mètre par seconde, donc la scie Sindel va deux fois plus vite que toi. Mais pour sa taille, elle est incroyablement rapide. Elle parcourt 125 longueurs de son corps en une seconde. Disons que tu fasses 1,80 m. Tu devrais courir 230 mètres en une seconde pour être aussi rapide. Si elle se trouve sur la même surface que la mouche, cette dernière n'a aucune chance de lui échapper. Ou peut-être qu'il est temps de faire appel aux forces aériennes. La libellule est l'insecte volant le plus rapide du monde. Cette petite créature peut atteindre 55 km/h. C'est plus rapide qu'un vélo qui descend une colline à toute vitesse. Les ailes de la libellule lui permettent aussi de voler en arrière, à droite, à gauche, en haut et en bas, comme un hélicoptère. Peu importe la vitesse à laquelle la libellule se déplace, elle laisse peu de chance à la mouche. Les mouches, les libellules et les scies Sindel sont rapides parce qu'elles évitent de passer trop de temps à l'extérieur.
il y a beaucoup de créatures affamées dans les environs. Mais il existe un insecte qui court vite parce que s'il s'arrêtait... Aïe ! Pour rencontrer une fourmi argentée si rapide, il faut aller dans le désert du Sahara. Le sable y est si chaud que tu pourrais y faire frire un œuf, bien sablonneux. C'est pourquoi la fourmi argentée se déplace à une vitesse de 0,5 mètres par seconde. Elle ne veut pas se brûler les pattes. Elle a aussi des poils en forme de triangle qui réfléchissent la chaleur, ce qui l'aide à échapper au soleil brûlant. Si cette fourmi était de taille humaine, elle pourrait courir à 600 km/h, plus vite que la voiture la plus rapide du monde. Une autre fourmi détient un record de vitesse. La fourmi Dracula ne peut pas courir aussi vite que la fourmi argentée, mais elle a la bouche la plus rapide du monde. Elle peut ouvrir et fermer ses mâchoires 5000 fois en un clin d'œil. Voici un autre insecte rapide, cette fois-ci un peu plus près de la maison, ou même à l'intérieur. La blatte américaine peut se cacher dans les murs, derrière le poêle, à peu près partout. Il est presque impossible de l'attraper, elle peut courir à 1,5 mètre par seconde. C'est grâce à ses 6 pattes, chacune ayant 3 genoux. Ses pattes sont couvertes de petits poils qui détectent tout changement dans l'air. C'est pour cela qu'elle réagit si vite quand tu entres dans la cuisine et que tu allumes la lumière. Et le détenteur du record mondial de la créature la plus rapide sur Terre est de la taille d'une graine de sésame. C'est une sorte d'acarien et il peut se déplacer à 322 longueurs de son corps par seconde. Si tu grossissais cet acarien pour lui donner une taille humaine, il pourrait aller presque 2 fois plus vite que la vitesse du son. Il peut même changer de direction en se déplaçant. Cela en fait la créature la plus rapide et la plus insaisissable de la planète. Mais trouvons maintenant des animaux qui nous permettent de soutenir la comparaison. L'escargot de jardin appartient à la famille des mollusques et aime prendre son temps. Si tu te déplaçais à la vitesse d'un escargot, tu ferais 2 pas toutes les 2 heures. Mais les escargots ne s'en soucient pas. Ils existent depuis des centaines de millions d'années. Ils utilisent leurs coquilles pour se protéger, mais ils ont aussi d'autres astuces. Certains escargots dégagent une odeur désagréable pour que personne ne les dérange. S'il fait trop chaud et trop sec, les escargots se cachent dans leurs coquilles et s'enferment dans la bave fraîche qu'ils fabriquent. Cette bave les aide aussi à grimper aux arbres. Les paresseux sont les mammifères les plus lents de la planète. Grâce à leur métabolisme lent, la nourriture peut prendre jusqu'à 16 jours pour être digérée. Il ne serait pas si difficile d'attraper l'un d'entre eux, mais paradoxalement, leur lenteur les aide. En effet, comme un paresseux ne fait pas de mouvements brusques, les prédateurs ne les remarquent tout simplement pas là-haut parmi les feuilles. Le lamantin est l'une des créatures marines les plus lentes, mais ils ne s'inquiètent pas trop que quelqu'un les embête, sauf peut-être les humains sur des bateaux à moteur. Ils sont énormes et leur peau est très épaisse. Un peu comme un tank marin, mais en bien plus mignon. Un autre nageur relativement lent est le requin du Groenland. Il nage à moins de 1 km/h. Comme le lamantin, il est suffisamment grand, si bien que personne n'est susceptible de le défier en face à face. Mais cela conduit à la technique de grignotage la plus hilarante qui soit. Le requin du Groenland est en fait plus lent que tous les poissons présents dans l'eau. La seule chance qu'il ait est d'attendre que certains de ses poissons s'endorment, puis c'est l'heure du dîner pour lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que leur mode de vie paisible prolonge en fait leur espérance de vie. La durée de vie moyenne d'un requin du Groenland est de 300 à 500 ans. Ils vivent dans les océans Atlantique Nord et Arctique. Imagine, tu es en croisière et tu vois un de ces géants au ralenti. Il pourrait avoir 400 ans de plus que toi. Les dents des écureuils ne cessent de pousser, mais les animaux les usent en rongeant des noix et d'autres aliments durs. L'avant des dents des rongeurs est en fait orange. C'est parce qu'elles sont recouvertes d'un émail spécial et résistant. Je parie que tu es content de ne pas avoir à t'occuper de ça. Certaines espèces d'oiseaux n'ont pas peur de grignoter des piments forts. C'est parce qu'ils ne peuvent pas sentir le piquant. Les piments brûlent ta bouche parce qu'ils contiennent un produit chimique spécial, la capsaïcine. Mais les oiseaux n'ont pas les papilles gustatives nécessaires pour en ressentir les effets. La corne du rhinocéros est faite de poils, ou du moins de la même protéine que celle qui compose tes cheveux et tes ongles. Cette protéine s'appelle la kératine. Une telle corne est assez unique, puisque d'autres animaux ont des cornes avec un centre osseux. Le pivert peut picorer le bois 20 fois par seconde. Ce rythme est presque trop élevé pour que l'œil humain puisse le remarquer. Combien de bois un pivert picoterait-il si un pivert pouvait picorer du bois ? Le nombre de coups de bec atteint souvent un total de 8 000 à 12 000 par jour. L'étoile de mer a des yeux.
un à l'extrémité de chacun de ses bras. Ses yeux sont des groupes de cellules sensibles à la lumière. Les grenouilles n'ont pas besoin de boire d'eau. C'est leur peau qui leur permet de s'hydrater en absorbant l'eau, tout en leur fournissant l'oxygène nécessaire à leur respiration. Cela pourrait faire gagner du temps. La plupart des espèces de chenilles ont environ 4000 muscles dans leur corps et près de 250 d'entre eux sont dans la tête seule. Les spirobranches arbres de Noël sont beaucoup plus beaux que tu peux l'imaginer. Mais même si ces petits sapins ont l'air superbes, les deux tiers du corps du ver sont cachés dans un tube de carbonate de calcium. Et quel est l'intérêt ? Eh bien, à vrai dire, je n'en sais rien. Les célèbres défenses des narvals sont en fait leurs dents qu'ils sont en quelque sorte retournées. Ces licornes des mers n'ont que deux dents. Chez les mâles, l'une d'elles traverse la lèvre supérieure. Contrairement à tes dents, celle-ci est dure à l'intérieur et sensible et tendre à l'extérieur. Le fourmilier n'a pas de dents, mais ce n'est pas un problème. Cette créature a une langue super longue. Cette langue permet à l'animal de laper plus de 35 000 termites et fourmis par jour. C'est une façon comme une autre d'apaiser la faim. La puce peut sauter plus de 200 fois la longueur de son corps. Si les humains avaient cette capacité, ils sauteraient aussi haut que l'Empire State Building. Ouh ! Les œufs de la rainette aux yeux rouges peuvent éclore plus tôt si elle sent que son environnement n'est pas sûr. Les petits animaux au métabolisme rapide voient au ralenti. Cela les aide à échapper à des créatures plus grandes. Les empreintes digitales des koalas sont très très similaires à celles des humains. Parfois, les empreintes digitales de ces animaux sont même confondues avec les nôtres sur les scènes de crime. Probablement juste en Australie. La sueur de l'hippopotame est rose et ce n'est pas vraiment de la sueur. C'est un liquide huileux rougeâtre. Sa fonction n'est pas de refroidir le corps, mais d'hydrater la peau et de la protéger. Ce fluide fonctionne également comme un antibiotique. Donc si tu as un coup de soleil ou une coupure, tu peux t'enduire d'hippopotame. La peau des ours polaires est noire et les poils de leur fourrure sont creux et presque transparents. Ces animaux ont du pelage qui pousse même sur la partie inférieure de leurs pattes. Cela leur donne une meilleure prise sur la glace et les protège du froid. Certaines espèces de tarentules, parmi les plus grandes araignées du monde, peuvent vivre sans nourriture pendant plus de 2 ans. Moi, je les trouve toujours effrayantes. Les ornithorynques ferment les yeux quand ils s'embrassent, quand ils nagent. Ils ont des plis de peau spéciaux qui recouvrent leurs oreilles et leurs yeux. Ils empêchent l'eau de pénétrer à l'intérieur. Les narines de ces animaux sont également étanches. Les émeus ne peuvent pas marcher à reculons, mais les scientifiques ne savent pas pourquoi. Ces oiseaux qui ne volent pas sont les seuls à avoir des muscles aux mollets. Les émeus peuvent sprinter très rapidement. Ils peuvent aussi parcourir de longues distances, mais ils ne peuvent pas faire marche arrière. Les crocodiles ne peuvent pas bouger leur langue car elle est attachée au palais de leur bouche. Elle maintient la gorge fermée et protège les voies respiratoires de l'animal. Les serpents d'eau, les dauphins, les baleines, les alligators, les crocodiles et les tortues peuvent se noyer. Cela arrive s'ils doivent rester trop longtemps immergés. Ces animaux ne peuvent pas respirer dans l'eau, ils peuvent simplement retenir leur souffle pendant très longtemps. Une seule espèce d'oiseau peut voler à reculons, ce sont les colibris. Va donc parler à l'émeu. Ces petits oiseaux peuvent aussi battre des ailes jusqu'à 80 fois par seconde. Malgré l'apparence des musaraignes à trompe, ces petits animaux sont plus étroitement liés aux éléphants qu'aux musaraignes. C'est peut-être pour cela qu'ils ont un tel appendice nasal. Les musaraignes éléphants s'en servent pour grignoter des insectes. Les chats, ainsi que les autres félins, ne peuvent pas goûter les aliments sucrés. Ils n'ont pas les papilles gustatives nécessaires pour cela. Dommage, ça en fait plus pour moi. Les flamants roses ne peuvent manger qu'avec la tête en bas. C'est pourquoi la partie inférieure de leur bec est massive, alors que la partie supérieure est mobile. Une telle disposition est parfaite pour se nourrir la tête en bas. Mais c'est l'opposé de ce qu'ont les autres oiseaux. Ce n'est pas facile d'être rose. La peau des tigres est aussi rayée que leur fourrure. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Lorsque les toucans dorment, ils se recroquevillent en de jolies boules serrées. Ces oiseaux tournent la tête de façon à ce que leur queue couvre leur tête et que le bec repose sur le dos. Donc oui, ils se mettent en boule. L'autruche a les plus grands yeux du règne animal. Ils sont plus massifs que le cerveau de l'oiseau. Chaque œil est aussi grand qu'une boule de billard. Tous les poissons clowns naissent mâles. Mais dans certaines circonstances, ils peuvent se transformer en femelles. Ce changement est irréversible. Contrairement à la plupart des poissons, lorsque les hippocampes s'accouplent, ils le font pour la vie. Encore plus mignon, lorsque les partenaires voyagent, ils se déplacent côte à côte et s'accrochent souvent à la queue l'un de l'autre.
le mâle se retrouve généralement à porter les bagages. Les termites ne dorment jamais, ils n'ont pas besoin de recharger leur batterie. Mais ils peuvent manger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ils mangent à maison. Le paresseux a besoin de jusqu'à 2 semaines pour digérer sa nourriture. Et prends ton temps, pas de précipitation, il n'y a rien sur le planning. Les empreintes nasales des chiens peuvent être utilisées pour leur identification. Elles sont similaires aux empreintes digitales humaines et uniques pour chaque animal. Les hiboux n'ont pas de globe oculaire. À la place, ils ont des tubes oculaires qui ne bougent pas dans leurs orbites. Les pingouins n'ont pas d'oreilles externes, mais leur ouïe est exceptionnellement fine, surtout quand ils sont à l'affût des ours polaires. Les méduses sont composées à 98% d'eau. C'est pourquoi lorsqu'elles sont rejetées sur le rivage, leur corps peut s'évaporer dans l'air après quelques heures seulement. Si un embouteillage se produit sous l'eau, un alligator cédera toujours la place à un lamantin. En voilà de bonnes manières. Les grizzlies ont une morsure si puissante qu'ils peuvent écraser une boule de bowling. Il est donc préférable de les laisser gagner. Les pandas géants ne sont pas compliqués quant à l'endroit où ils dorment. Ils s'endorment généralement là où ils se trouvent. Dans la plupart des cas, sur le sol de la forêt. Les nouveau-nés du panda géant sont minuscules. Ils pèsent autant qu'une petite tasse de café et sont plus petits qu'une souris. Le poisson main rouge peut marcher sur le fond de l'océan à l'aide de ses paluches. Mais bien sûr, ce ne sont pas vraiment des mains, mais des nageoires évoluées. Vraiment. Les chats n'ont pas l'habitude de miauler entre eux. Une étude a montré que les félins utilisent ce mode de communication surtout pour attirer notre attention à nous, les humains. Et ça marche. Les paresseux ne peuvent pas frissonner. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop occupés à digérer leur repas vieux de 2 semaines. Leur fourrure est parfois couverte d'algues. Et quand ils sont trop chauds ou trop froids, leur métabolisme s'arrête. Pendant les périodes difficiles, les méduses immortelles se transforment pour retrouver l'état de leur prime jeunesse. Une fois qu'elles ont atteint le stade où elles ne sont plus qu'un amas de tissu mou, un peu comme moi, ces créatures recommencent à grandir. Et ce processus peut apparemment se répéter encore et encore. Les plus proches parents vivants du T-Rex sont les poulets et les autruches. Ne te retourne pas! La murène a une autre série de mâchoires qui peuvent sortir de sa gorge. D'abord, les mâchoires principales se referment autour d'une créature marine malchanceuse. Ensuite, la mâchoire supplémentaire saisit le futur repas de l'anguille avec ses dents pointant vers l'arrière et tranchantes comme des rasoirs. Et après cela, l'animal capturé est ramené dans la gorge de la murène. Je viens de perdre mon appétit. Certaines espèces d'escargots ont une coquille poilue. Grâce à ces poils, les escargots peuvent mieux adhérer aux surfaces humides. Quand les baleines à bosse chassent, elles se rassemblent souvent en groupe et appliquent une tactique de filet à bulles pour attraper leur nourriture. Les bulles ne laissent pas les bancs de poissons s'échapper. Les léopards des neiges ne peuvent pas rugir comme les autres grands félins. Cela est dû à leur corde vocale moins développée. Mais ces animaux peuvent miauler, grogner, siffler et même ronronner. Pour ne pas s'éloigner de leur groupe, pendant la sieste, les loutres de mer se tiennent par la main. Elles peuvent aussi s'empêtrer dans des algues géantes dans le même but. Les lions sont souvent appelés les rois de la savane. Et moi qui croyais que c'était le roi de la jungle. Et pourtant, jusqu'à 90% de la chasse dans la troupe est effectuée par les femelles. Les mâles sont chargés de protéger le territoire et les membres de la troupe. Et ils font une délicieuse salade de pommes de terre connue sous le nom de Hakuna Patata. Les chats sont célèbres pour leur étonnante capacité à bouger leurs oreilles. Tout cela parce que les chatons ont 32 muscles dans chaque oreille externe. Certaines espèces de requins peuvent briller dans le noir. Malheureusement, seuls les autres requins peuvent voir cette lueur verdâtre. Tu as jusqu'à 8000 papilles gustatives, mais ton chien n'en a qu'un peu plus de 1500. Le jet bleu peut imiter d'autres oiseaux. Son préféré est le cri du faucon. Le jet bleu l'utilise pour faire fuir les autres oiseaux de son territoire. Les loris lents sont incroyablement mignons et tout aussi perfides. Ce sont les seuls primates venimeux connus. Ils ont une glande située dans le creux de leurs bras. Elle sécrète des toxines qui peuvent avoir des conséquences très désagréables chez l'homme. Le bubal a une tactique d'évasion étonnante. Pour fuir les autres animaux, il se déplace en zigzag. Les grands dauphins ont des noms pour leurs congénères. Ce sont des sifflets spécifiques. Hé Bob! Hé Charlie! Hé Dolly! Salut les gars et merci pour le poisson! Les girafes ont une longue langue noire. Les scientifiques supposent que cette couleur pourrait protéger la langue des coups de soleil. Eh bien, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. À bientôt! Très bien, tu fais de la plongée sous-marine dans la mer.
Tu admires les coraux et les poissons de toutes les couleurs qui passent, quand soudain, une ombre énorme apparaît au-dessus de toi. Tu lèves les yeux et tu vois une énorme créature qui s'approche de toi, sa bouche béante prête à t'avaler. Détends-toi, reste tranquille et tout ira bien. Ce Léviathan est un requin pèlerin, un des monstres marins les plus effrayants qui existent, mais en fait, il n'est pas vraiment capable de faire du mal à qui que ce soit. Les requins pèlerins sont des filtreurs, tout comme les baleines à fanons. Ils ouvrent leur grande gueule pour avaler du plancton et n'ont même pas de dents. Il est tard dans la nuit dans la jungle d'Amérique centrale, tu es dans la nature pour observer les oiseaux et tu entends un battement d'ailes. Excité, tu regardes attentivement dans tes jumelles de vision nocturne pour soudain voir apparaître un visage tout droit sorti de tes pires cauchemars. Ne crie pas, tu vas l'effrayer. C'est une chauve-souris toute ridée qui est parfaitement inoffensive et qui ne s'intéresse pas à toi. Ce sont des chauves-souris frugivores et les rides sur leur visage leur permettent de recueillir les morceaux de fruits et du jus pour manger plus tard. D'ailleurs, leur nom latin, Centurio Senex, leur a été donné à cause de leur ressemblance avec des humains centenaires. Tu te promènes dans un parc national népalais et décides de te laver le visage dans une rivière. Mais soudain, tu restes figé de terreur. Un crocodile te regarde droit dans les yeux à quelques mètres de distance. Puis il lève son museau au-dessus de l'eau et tu respires à nouveau soulagé. C'est un gavial du Gange. Ces reptiles ont un museau long et étroit qui leur permet de capturer efficacement des poissons tout en leur interdisant de chasser toute autre proie. Bien qu'ils soient encore carnivores, les gavials sont assez timides et s'éloignent rapidement à la vue des humains. À l'heure actuelle, il n'y a pas plus d'un millier de ces crocodiliens dans le monde entier. Alors laisse tomber, surtout s'il s'agit d'une fille gaviale. Ah ah ah. Tu creuses dans ton jardin et tu remarques que quelque chose bouge sur ta pelle. Tu regardes de plus près et tu laisses tomber l'outil avec horreur. Une petite créature qui ressemble à un méchant extraterrestre se précipite dans un terrier dans le sol. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un condylure étoilé. Ces créatures ont un museau particulier qui semble avoir explosé de l'intérieur. Leurs yeux sont petits et peu efficaces, donc cette espèce d'étoile sur leur nez les aide beaucoup à se déplacer et à chercher de la nourriture. Elle est toujours en mouvement, en train de toucher tout ce qu'elle peut atteindre avec ses tentacules, comme si c'était de minuscules doigts. Oh, tu te baignes à nouveau dans l'océan ? Eh bien, regarde sur ta droite. Il y a un vrai requin avec des dents qui foncent droit sur toi. Non, ne panique pas, c'est juste un requin taureau. Et il n'a rien d'un taureau. C'est un requin piscivore qui nage lentement dans les mers et chasse sa proie de temps en temps. On n'a jamais rapporté d'attaque sur les humains, mais il a toujours des rangées de dents pointues, alors n'essaie pas de le toucher au cas où. Il peut sembler tranquille, mais tu ne voudrais pas qu'il te grignote, n'est-ce pas? Bon, de l'océan au désert, tu es en Australie et tu as envie d'un peu d'eau. Tu vois un endroit où tu peux peut-être en trouver. Alors, tu commences à creuser dans le sol et tu tombes sur une créature venue des profondeurs de la terre, toute couverte d'épines. Elle te regarde avec suspicion et s'éloigne en glissant, car ce n'est qu'un diable cornu. Malgré son nom inquiétant, ce lézard est inoffensif pour l'homme. Les bosses en forme de cornes qu'il porte sur la peau servent à le protéger des prédateurs et des oiseaux de proie. Les épines sont dures, mais tant que tu ne les touches pas, tout va bien. Maintenant, si tu es arachnophobe, cela ne te servira pas à grand-chose, mais les phrines, que tu peux rencontrer en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Asie et en Afrique, ont plus peur de toi que toi d'elles. Dis-toi bien cela. Ces créatures cauchemardesques n'ont pas de dards et ne mordent même pas lorsqu'elles sont menacées. Le pire qu'elles puissent faire, et seulement si tu les accules, or pourquoi ferais-tu une chose pareille, est de te piquer avec leurs pattes avant, en laissant de minuscules marques de piqûres sur tes doigts. Beaucoup de gens les prennent carrément comme animaux de compagnie, car elles sont très affectueuses envers leurs propriétaires. Mouais. Si jamais tu tombes sur un terrier où il y a une créature chauve avec de grandes dents qui te regardent, ne t'en fais pas et laisse-la tranquille. Les rataupes nus sont les chats sphinx parmi les rongeurs. Ce sont des parents proches des rataupes, mais bon, ils sont nus. Et ils sont fascinants en eux-mêmes. Comme ils vivent presque complètement sous terre, ils ont quasiment le sang-froid, mais peuvent vivre à n'importe quelle température extérieure. Et leur peau ridée et flasque ne ressent aucune douleur, de sorte que les dents pointues des autres ne font pas peur aux rataupes nus. Tu es une fois de plus perdu dans la jungle, cette fois-ci à Madagascar. Pauvre de toi, décidément. La nuit est tombée et tu cherches un abri.
Mais quand tu penses avoir trouvé un arbre approprié pour construire un refuge, tu restes figé de terreur. Une main noire avec de longs doigts apparaît sur une branche de l'arbre juste au-dessus de toi, avec deux énormes yeux jaunes qui te fixent. Puis tu vois un visage hirsute et tu réalises que ce n'est qu'un lémurien, un aïe-aïe plus précisément. Cette créature est originaire de Madagascar et ne sort que la nuit. Tu as donc de la chance de la voir. Il joue le rôle d'un pivert dans les forêts tropicales. Il frappe sur les troncs d'arbres pour trouver des insectes et utilise ses longs doigts pour atteindre l'intérieur. Fatigué d'avoir peur, tu cherches à revenir à la maison, mais les horreurs ne sont pas encore finies. Un grand serpent rouge et blanc se dresse sur ton chemin. Il siffle et attend que tu bouges. Tu sais que c'est un serpent corail, une espèce venimeuse très dangereuse. Tu t'arrêtes et ce n'est que lorsqu'il s'éloigne enfin en glissant que tu réalises qu'il s'agissait en fait d'un serpent laitier de l'Est. Ils imitent souvent les serpents venimeux, pas seulement les serpents corail, pour se protéger des prédateurs. Cependant, si tu n'es pas un expert en serpents, il est toujours préférable de rester à l'écart. Bon, cette créature va s'inviter dans tes rêves les plus sombres, un mille-pattes géant africain. Il est grand, noir, brillant et il a des centaines de petites pattes pour ramper. Et pourtant, s'il avait des grands yeux ronds, il pourrait même être plutôt mignon. C'est peut-être pour cela que tant de gens les gardent comme animaux de compagnie. Ça, et parce qu'ils vivent généralement jusqu'à 10 ans. Les mille-pattes géants ne peuvent pas vraiment mordre. Leur seule défense est de se recroqueviller en une boule dure et de sécréter un liquide irritant pour les pores de sa peau. Si tu oses le toucher, ne te frotte pas les yeux ou le nez par la suite. C'est assez désagréable. L'araignée Goliath est un autre animal de compagnie rampant très populaire. Il n'est pas dangereux pour les humains, même s'il ressemble à ton pire cauchemar. C'est l'une des plus grandes araignées du monde. Et comme son nom l'indique en anglais, Goliath Bird Eater, soit mangeur d'oiseaux, elle chasse parfois de petits oiseaux pour se nourrir. Mais elles ne font pas partie de son régime alimentaire habituel. L'araignée préfère les vers et les amphibiens. Cependant, évite de l'effrayer. Elle peut toujours mordre ou libérer des poils en cas de légitime défense. La piqûre est semblable à celle d'une guêpe et les poils peuvent provoquer une grave irritation de la peau. Mais la plupart du temps, ce gentil géant est juste timide et s'éloigne en rampant quand il te voit. Oh mon Dieu, un autre serpent s'approche de toi. Évite! Tu es sur le point de faire demi-tour et de courir quand tu vois une forme avec 8 pattes qui coupe le chemin du serpent et saute dessus. C'est un autre arachnide et il a l'air encore plus terrifiant que le serpent. C'est un solifuge. Ce n'est pas vraiment une araignée ni un scorpion. Ces créatures appartiennent à une famille distincte. Elles sont devenues l'objet de nombreuses légendes urbaines, mais en fait, elles n'ont même pas de venin. Bien sûr, elles peuvent mordre et leurs mâchoires sont assez puissantes. Mais les solifuges ne peuvent pas faire beaucoup de mal à un humain à part le mordre. Elles se cachent dans le sable et les terriers pour sauter sur des lézards, des invertébrés et oui, même des serpents. Et maintenant, imagine un cloporte. Pas vraiment une beauté, mais comme il est petit, ça va. Mais s'il était 10 fois plus gros, non, ça n'irait pas du tout. Pourtant, une créature pareille existe. C'est un bathynome géant. Heureusement, il se tapit dans des eaux profondes, sombres et froides, donc il n'apparaît jamais dans ton jardin. Les bathynomes géants atteignent une taille pareille à cause de ce qu'on appelle le gigantisme des profondeurs. Les créatures des profondeurs doivent supporter une grande pression de l'eau, des températures extrêmement froides et peu de nourriture, ce qui ralentit leur métabolisme. Les isopodes ne se déplacent pas beaucoup et le plus souvent, ils attendent qu'un petit insecte ou un crustacé rampe à leur portée pour qu'ils puissent le croquer. Et même si vu d'en bas, il ressemble à une créature horrible avec une quantité de pattes, il ne peut pas te faire de mal même s'il le voulait. Il suffit de le caresser. Vas-y! Et nous sommes prêts pour le départ. Le crocodile du Nil part bien plus vite que l'hippopotame. Il peut remonter le fleuve à contre-courant et son corps est conçu pour nager dans les rapides. Il pèse aussi lourd que 2 réfrigérateurs et est considéré comme le reptile le plus lourd de la planète. Il peut nager jusqu'à 35 km/h. L'hippopotame, lui, ne sait pas vraiment nager. Il se contente de marcher sur le fond et de se pousser sur les gros rochers qu'il trouve. Il peut fermer ses narines afin de glisser un peu sous l'eau. Mais il se laisse distancer par le crocodile. Le crocodile atteint la rive et commence à courir à travers le champ. Mais attention, l'hippopotame le rattrape à toute vitesse. Même s'il est énorme, l'hippopotame peut sprinter plus vite qu'un humain. Malgré l'avance qu'avait pris le croco, l'hippopotame est bien plus rapide que lui sur le sol. Et il traverse la ligne d'arrivée. Il a gagné.
bip bip. Hey, voici un grand géocoucou. Mais que fuis-tu comme ça? Ah oui, c'est ce coyote. Mais attention, il te rattrape. Le grand géocoucou peut courir jusqu'à 30 km/h, voire un peu plus vite quand il a vraiment faim. Et malgré ce que l'on voit dans les dessins animés, le coyote est en fait deux fois plus rapide que lui. Mais la version des Looney Tunes est quand même plus amusante. Sur la ligne numéro 1, venue tout droit d'Amérique du Sud, nous avons le paresseux hyper lent. Et à côté, sur la ligne 2, nous avons un escargot de jardin ordinaire. Et c'est parti pour la course de l'animal le plus lent du monde. La vitesse maximale du paresseux étant de 0,3 km/h, il n'est pas étonnant qu'on le compare à un oreiller géant en mouvement. L'escargot, lui, a pris un bon départ. Il peut traverser un petit quartier à la vitesse de 50 m/h. Cet invertébré n'a qu'un seul pied qui est recouvert d'une couche de bave protectrice. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que le paresseux est toujours au même endroit. Il s'est endormi, et ça risque de durer car un paresseux peut dormir jusqu'à 15 heures par jour. Il dort plus de la moitié de sa vie. Oh, l'escargot est sorti de sa zone ensoleillée pour se rendre à l'ombre. Il est encore trop tôt pour savoir qui gagnera cette course effrénée. Un grizzly peut facilement distancer un humain. Si tu prépares quelque chose d'un peu trop délicieux pour un pique-nique, attends-toi à abandonner ton repas. La vitesse la plus rapide à laquelle un humain peut sprinter est de 45 km/h. Record établi bien sûr par Usain Bolt. Il serait donc probablement capable de s'enfuir à temps. Mais si tu es plus lent que lui, alors tu risques d'avoir des problèmes. Dans un sprint face à un grizzly, il te battra donc forcément. Mais de tous les ours, lequel est le plus rapide? L'ours blanc, le grizzly, l'ours brun, l'ours des cocotiers ou le mignon petit panda? À vos marques, prêts, partez! La tension est palpable. Le grizzly et l'ours brun sont au coude à coude. Un ours brun peut facilement courir aussi vite qu'un grizzly. L'ours des cocotiers est le plus petit ours de la course. Il mesure environ 2 mètres de haut, ou de long. Bref, il n'arrive pas à suivre. L'ours polaire a pris un bon départ, mais il n'a pas l'endurance du grizzly ou de l'ours brun. Le grizzly prend la tête. Non, c'est l'ours brun, le grizzly. Mais attends, où est le panda? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne crois pas qu'il soit intéressé par la course, mais il est trop mignon. Il vient de finir sa troisième tige de bambou. Un panda peut manger jusqu'à 13 kg de bambou par jour. Ça fait beaucoup. Mais ça y est, il a trouvé un raccourci et dévale la colline. Il passe en trompe devant le grizzly et l'ours brun. C'est fini, le panda a gagné. Désolé les ours. On sait tous que le panda n'est pas vraiment rapide. C'est même l'un des ours les plus lents. Néanmoins, si tu vois un panda dévaler une colline dans ta direction, cours! Un Boeing 747 peut atteindre la vitesse maximale d'environ 1000 km/h. L'oiseau le plus rapide est l'albatros à tête grise. Il peut voler jusqu'à 130 km/h et rester dans les airs pendant environ 10 heures sans atterrir. Le faucon pèlerin est plus rapide, mais seulement en piqué pour attraper une proie. Attention aux pigeons! Waouh! Les gros avions mettent du temps à prendre de l'altitude, mais il ne faut que quelques secondes à l'albatros. Il est en tête. Mais quelques minutes plus tard, retour à la course d'élan. Le paresseux s'est réveillé, tant mieux. Mais pour l'instant, il a juste levé un bras pour atteindre cette branche. L'escargot essaie toujours de passer ce gros rocher. Les paresseux passent le plus clair de leur temps aussi immobile que possible, pour éviter de devenir le petit déjeuner de quelqu'un d'autre. Pas génial pour s'entraîner à la course. Mais que se passe-t-il? Un troisième joueur entre dans la course. C'est la tortue des Galapagos. Ses puissantes pattes avant tractent ce véritable tank vivant. Elle est quatre fois plus rapide que l'escargot de jardin. Ça devient intéressant. Voici une course qui va durer un siècle. La tortue court et esquive tous les obstacles. Rien ne peut l'arrêter. Eh, hey, pas de triche le paresseux. Arrête de jeter des branches de là-haut. Pendant ce temps, sous terre, une taupe creuse. Elle peut manger quotidiennement son propre poids en vers de terre et elle creuse environ 5 m/h. Le blaireau d'Amérique est l'animal qui creuse le plus vite au monde et il est aussi très rapide sur terre. Il peut presque égaler la vitesse d'un humain dans un bon jour. Le blaireau gagne donc cette course de tunnel assez facilement. Dommage que la taupe ne puisse pas voir où elle va. Les taupes ne sont pas vraiment aveugles, elles ont juste une très mauvaise vue et elles sont daltoniennes. Et comme elles ne peuvent pas porter de lunettes... Ah, le fameux guépard! Il traverse la savane à toute allure.
Je suis le mammifère terrestre le plus rapide depuis des millions d'années. C'est moi le boss. Le guépard le plus rapide enregistré était une sprinteuse nommée Sarah. À 11 ans, elle a couru le 100 mètres en moins de 6 secondes. Un guépard peut atteindre 130 km/h s'il voit quelque chose de savoureux. Sarah a grandi dans un zoo américain et elle a été l'un des premiers guépards à avoir un chiot en tant qu'ami. Alex et Sarah, amis pour la vie. Mais juste au-dessus de Sarah passe une toute petite chauve-souris et elle met Sarah à l'amende. La molosse du Brésil peut atteindre 160 km/h. C'est le mammifère le plus rapide de la planète. Maintenant, activons notre zoom. Notre premier concurrent est la cicindèle d'Australie. Elle fonce à la vitesse de 10 km/h. Cela peut paraître peu, mais ramenée à sa taille, elle va à la vitesse de l'éclair. C'est comme si un humain courait aussi vite qu'un train à grande vitesse. Dans le couloir intérieur se trouve la fourmi argentée saharienne. Les fourmis ont l'esprit d'équipe et sont plus fortes quand elles travaillent ensemble. Mais même seules, elles peuvent battre des records. Elles peuvent soulever des centaines de fois leur propre poids et sprinter comme jamais. Si Usain Bolt peut faire 4 foulées par seconde, la fourmi argentée en fait 50. Les scientifiques ont même découvert qu'elles galopent littéralement lorsqu'elles atteignent leur vitesse de pointe. Et voici notre dernier concurrent, l'animal le plus rapide sur Terre. C'est un minuscule acarien qui n'est pas plus gros qu'une graine de sésame. Et il court presque 2 fois plus vite que la cicindèle. Si on le ramenait à notre taille, cet animal microscopique battrait tout ce qui existe sur la planète. Il dépasserait même le mur du son. Revenons à nos 3 plus lents. Ils ont déjà fini ? La tortue est en tête. L'escargot a finalement passé ce gros rocher et le paresseux est prêt à attraper une deuxième branche. La tortue est à moins d'un mètre de la ligne d'arrivée. Waouh ! Je ne peux plus supporter ce suspense. Mais je crois que j'ai le temps d'aller me faire un café. Salut toi. Je m'appelle Tom et aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Savais-tu que dans un avenir proche, des robots de compagnie seront présents dans un foyer sur deux ? Nous les garderons comme des animaux de compagnie, sauf qu'ils seront robotiques. Mais pas d'inquiétude, ils s'entendront très bien avec les vrais toutous. Si tu te demandes s'il existe aujourd'hui des robots inspirés par des animaux, nous allons répondre à cette question. Les cafards, qu'on les aime ou non, semblent bien voués à rester. Ils nous donnent la chair de poule avec leurs pattes et leurs carapaces, mais ils existent depuis 400 millions d'années. Alors a priori, ils ne sont pas prêts de disparaître. Ils sont aussi incroyablement rapides. Enfin, pour des insectes. Il leur faut environ 1 heure pour parcourir 5 km, ce qui est plutôt impressionnant pour un animal de cette taille. Et ce n'est pas tout. Mets-les sous l'eau et ils retiendront leur souffle jusqu'à 40 minutes. Tu as un petit trou quelque part ? Ils y entreront grâce à leur corps malléable et apparemment à la vitesse de la lumière. Les voilà ! Leur souplesse est si incroyable que tu peux les presser avec une force de 900 fois leur poids et il n'y aura même pas une égratignure sur leur coquille. Il est aussi très difficile de se débarrasser de ces bestioles. Bref, tout ça pour dire qu'il n'est pas étonnant que les scientifiques cherchent à fabriquer un robot similaire à un cafard. C'est ce qu'ont fait les chercheurs de l'université de Berkeley. Ils ont créé CRAM, qui signifie en anglais « robot compressible avec des mécanismes articulés ». C'est un robot de la taille de la paume de ta main, conçu pour faire les mêmes choses que les cafards. Il a une coque en plastique articulée qui lui permet de se faufiler partout. Son principal objectif est de réaliser des missions de recherche et de sauvetage. Continuons avec les animaux de petite taille. La NASA s'est inspirée d'un ver de terre. Il est peut-être en bas de la chaîne alimentaire, mais pas son cousin robotique. Il est destiné à explorer les endroits gelés où les humains ne peuvent pas aller, et plus précisément, le mont Erebus en Antarctique. J'ai bien froid rien qu'à y penser. Cependant, il ne se déplace pas exactement comme un ver. Il a 2 vis fixées à ses 2 extrémités et se visse au mur chaque fois qu'il veut bouger. Mais voici ce qui le rend spécial. Chaque fois qu'il est vissé à une paroi, il collecte des données. La NASA pense qu'il peut être encore amélioré pour l'exploration spatiale.
Donc, ce ne serait plus un ver de glace, mais plutôt un ver de l'espace, et aussi le premier ver à aller dans l'espace d'ailleurs. En descendant dans les grottes, on trouve des chauves-souris qui ressemblent à des vampires, après avoir changé de forme, et qui dorment la tête en bas, accrochés à des rochers. Regarde ces superbes ailes noires, mystérieuses mais fascinantes. Après la Batmobile, voici le Batbot. C'est une chauve-souris robotisée. Elle ne pèse pas très lourd et n'est pas très grande, mais elle est impressionnante. Ses ailes reproduisent l'élasticité des ailes d'une chauve-souris. L'équipe qui développe ce robot a dû créer une membrane en silicone personnalisée pour cela. Ces robots chauve-souris sont aussi très économes en énergie, ce qui signifie qu'ils peuvent voler pendant longtemps. Un peu comme les vraies chauves-souris d'ailleurs. Prenons maintenant le chemin des océans. Le robot que tu vois est un poisson. Et devine quoi? Il vit aussi avec eux. Il s'appelle Sofai et son apparence est très similaire à celle d'un poisson. Il est fabriqué à moitié en silicone et en caoutchouc et à moitié en électronique. L'avant est imprimé en 3D et c'est là que se trouve l'électronique. L'avantage de sa composition est qu'il peut se cogner contre n'importe quoi sans être endommagé, ni blesser d'autres formes de vie marine. Quoi qu'il en soit, ce n'est probablement pas une bonne chose qu'il se promène en donnant des coups de tête aux autres poissons. Pour contrôler ce robot, il faut utiliser une manette Super Nintendo. Alors si tu aimes les jeux vidéo comme moi, tu vas adorer. Et si tu te demandes comment il ne coule pas au fond de l'océan, c'est parce qu'il a à bord une unité de contrôle de flottabilité. Cela permet à la personne qui le contrôle de décider à quelle profondeur aller. Pour couronner le tout et compléter le look, le robot Sofai a une lentille en forme d'œil de poisson à l'avant. Les guépards courent très vite, environ 105 à 110 km par heure. Admire donc cette puissante accélération. C'est l'animal le plus rapide sur Terre. Il peut d'ailleurs passer de 0 à 100 km heure plus vite qu'une voiture de course. 3, 2, 1, go! Mais il y a une chose que nous n'avons encore jamais vu un guépard faire. Un backflip. Eh bien, ce robot en est capable. Voici Cheetah 3. Il est censé être indestructible et il fait aussi des backflips. Il a surtout été construit pour que les scientifiques puissent expérimenter des choses folles sur lui. Il ressemble à un guépard, donc le nom est approprié, bien qu'il ne court pas aussi vite. En fait, il fait seulement 16 km par heure pour être exact. Il ne peut pas faire la course avec des voitures, mais il peut faire un backflip. Donc, un point pour le guépard normal et un point pour le guépard robotique. Match nul. Le robot suivant est inspiré par les serpents. Oui, ces monstres visqueux. Il s'appelle simplement le robot serpent et là encore, son but est de mener des missions de recherche et de sauvetage. Il se déplace comme un serpent et il grimpe aux arbres comme le ferait un serpent en s'enroulant autour du tronc. Il a déjà été utilisé pour fouiller des bâtiments effondrés après de forts tremblements de terre. Comme il est petit et qu'il peut se déplacer dans toutes les directions, il est parfait pour se glisser dans les endroits exigus. Au lieu de deux yeux globuleux, ce robot a une caméra à l'avant pour que celui qui le contrôle puisse regarder son environnement. Si tu aimes les araignées mais que tu en as toujours eu un peu peur, voici la solution. Robuctix T8X. C'est plus un jouet qu'autre chose. Tu peux le contrôler et le programmer pour qu'il fasse ce dont tu as envie. Fais-le bouger et fais-le danser avec ses toutes petites pattes. Il en existe deux versions, une poilue et une lisse. La poilue ressemble probablement à une tarentule. Merci d'avoir regardé cette vidéo et souviens-toi, apprends quelque chose de nouveau chaque jour grâce à la chaîne Sympa. À très vite. Psst, cours! Vraiment, ce n'est pas sûr dehors. Il y a un tigre à dents de sabre qui rôde. Tu devrais faire attention. Qu'est-ce que tu fais? Ne regarde pas. Ok, juste un petit coup d'œil. Comment c'est possible, tu te demandes? C'est parce que tu es dans la réalité virtuelle, bien sûr. Ces grands félins aux allures sympas, mais très dangereuses, ont vécu pendant la dernière période glaciaire.
et s'il décidait d'apparaître sur le pas de ta porte comme par enchantement. Toc toc, un chat à dents de sabre attend que tu lui achètes des biscuits. Le coelacanthe, ce poisson à l'aspect imposant, est issu d'une lignée qui existe depuis plus de 300 millions d'années. Nous pensions qu'il n'existait plus jusqu'en 1938, date à laquelle un coelacanthe vivant a été retrouvé. Depuis lors, ils errent dans les eaux de la côte est de l'Afrique et dans les eaux de Sulawesi, en Indonésie. Mec, je ne voudrais pas aller nager et rencontrer un de ces gars-là face à face. Leur mâchoire a une articulation intracrânienne, ce qui signifie que leur bouche s'ouvre beaucoup. C'est pour qu'ils puissent manger de grosses proies, comme moi. C'est pas bon. Ils sont énormes aussi. Imagine un poisson qui est aussi long que toi et qui pèse autant qu'un humain ordinaire. On pensait que le takae, un oiseau incapable de voler, avait disparu en 1898. Ils sont très beaux, petits et multicolores. Habituellement, pas plus haut que ton genou. Mais imagine ça, tu es en train de faire une randonnée dans les montagnes Murchison, tu regardes autour de toi et tu aperçois l'oiseau que tu croyais disparu. Mais ils sont là, plus heureux que jamais, en train de survivre et de se rafraîchir. Une colonie entière de takae a en effet été trouvée 50 ans seulement après qu'ils aient été déclarés éteints. Bon travail, petits oiseaux! Un chien qui chante, tu en as déjà entendu parler ? Riley chante parfois quand il s'ennuie ou qu'il a faim, mais ceux-là sont de vrais artistes, les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée. Ils ont été récemment découverts à l'état sauvage pour la première fois en 50 ans. Pourtant, ils n'ont jamais été complètement éteints au départ. Les néo-guinéens se sont assurés qu'ils soient en sécurité à côté d'eux. Mais à l'état sauvage, très rare et difficile à apercevoir. Regarde, en voilà un! Les chiens chanteurs de Nouvelle-Guinée sont appelés ainsi en raison de leur célèbre chant aigu. Ils chantent aussi parfois ensemble, une sorte de chorale de chiens où ils hurlent tous ensemble. Je parie qu'ils chantent mieux que moi sous la douche. Pas très loin d'ici, nous avons des chauves-souris, mais celles-ci sont un peu différentes. Tu vois, leurs oreilles sont énormes. Je suppose que c'est pour ça qu'on les appelle les chauves-souris à grandes oreilles de Nouvelle-Guinée. Malin ! L'espèce a été retrouvée quand l'une d'entre elles a été accidentellement prise dans un piège à chauves-souris. Jusque-là, je suppose qu'elle jouait à cache-cache avec nous, car jusqu'en 1890, on les croyait disparues. Elles ne sont toujours pas hors de la zone de danger à cause de la perte d'habitat. Imagine que tu découvres un fossile d'une espèce que tu croyais éteinte depuis longtemps, et que 2 ans plus tard, tu trouves un groupe entier vivant de cette espèce. C'est exactement ce qui s'est passé en 1977 avec le crapaud accoucheur de Majorque. Il est d'une couleur brunâtre, avec des taches plus foncées sur sa peau. En dehors de cela, c'est juste un petit crapaud avec des yeux globuleux. Le groupe de crapauds vivants a été trouvé près de l'endroit où se trouvait le fossile, sur l'île de Majorque. Il n'en reste pas beaucoup, environ 500 en fait, et à l'heure actuelle, ils sont déclarés vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Es-tu un fan de tortues ? Tu le sauras quand tu jetteras un coup d'œil à cette énorme beauté. Elle s'appelle Tortue des Galapagos de l'île Fernandina. Elle n'avait pas été vue depuis 1906. Mais le 17 février 2019, nous avons enfin pu regarder l'une de ces magnifiques créatures. Elle est probablement dehors avec quelques-uns de ses compagnons en ce moment. Mais elle ne se laisse pas voir non plus. Nous savons seulement qu'elles existent parce qu'il y a quelques traces et odeurs. Voici une autre grenouille, la grenouille marsupiale cornue. On la trouve en Équateur, dans la forêt de Choco, pour être plus précis. On les appelle ainsi à cause de leurs cornes distinctes, juste au-dessus de leurs yeux. Tu connais la poche que les kangourous utilisent pour porter leur progéniture ? Eh bien, la grenouille marsupiale à cornes femelle en a aussi une, sauf qu'elle est sur le dos et qu'elle agit comme une sorte de sac à dos. Elles développent leurs embryons à cet endroit et lorsqu'ils sont prêts à sortir, ils éclosent comme des bébés complets, contrairement aux grenouilles ordinaires qui commencent comme des têtards. Un autre crapaud, le crapaud de la nuit étoilée ou crapaud arlequin. Ils sont noirs et couverts d'une multitude de taches blanches. Perdu pendant 30 ans, il a été découvert en 2019. Imagine-les comme des grands gardes du corps, des gardes du corps de l'eau pour être exact. Oh, c'est un très gros crapaud sur ton écran. Eh bien, pour le peuple Arhuaco, c'est exactement ce qu'ils sont, des gardiens de l'eau. Ils ont aussi leur propre nom à eux, Guna,
ça ressemble à un fromage. Lorsque les scientifiques les ont retrouvés, ils ont rencontré 30 de ces petites créatures, alors qu'ils n'en attendaient qu'une seule au départ. Quelle belle surprise! Voici un tigre pour toi, bien qu'il ne ressemble pas tout à fait à un tigre classique. Il s'agit du tigre de Tasmanie, qui semblait avoir disparu depuis 1936. Sorti de nulle part, on a commencé à l'apercevoir à l'état sauvage il y a tout juste 5 ans, en 2016. Il ressemble en quelque sorte à un chien plus qu'à un tigre ou à un renard peut-être. Il suffit de bien regarder son museau, peut-être même un mélange des deux. Puis, quelques autres ont commencé à apparaître aussi. Et si tu penses en voir un juste devant toi, mais que tu n'es pas sûr, vérifie s'il a des rayures sur le dos. Ils existent bel et bien, mais sont toujours considérés comme éteints par l'UICN. Ok, imagine un cheval qui semble tout droit sorti d'une scène de film. Tout petit, une fourrure magnifique, très bien élevé. Il est petit, mais ce n'est pas un poney. C'est un cheval caspien. Ils ont une histoire intéressante. Ils ont été découverts par Louise Leylin, qui s'est mariée à un aristocrate en 1957. Ayant déménagé à Téhéran, en Iran, elle n'aimait pas trop le comportement des chevaux là-bas. Alors, elle a pris les choses en main. Elle a pris quelques personnes avec elle et elles sont allées à la montagne de la mer Caspienne. Et là, elles ont trouvé trois de ces magnifiques petits chevaux. C'est comme ça que l'histoire est arrivée. Ensuite, un opossum qui a été trouvé dans un endroit inattendu. Devine où ? Tu as trois options possibles. Caché dans une station de ski, dans l'outback australien ou dans la salle de bain d'un appartement. Laquelle choisis-tu ? Tu as 3 secondes. La bonne réponse est une station de ski. Oui, cet opossum s'appelait l'opossum nain des montagnes et il est originaire d'Australie. Jusqu'à présent, il existe 3 populations différentes de ce petit opossum. Mais on le croyait éteint jusqu'en 1966. Il y en a moins de 100 et l'UICN les considère comme étant en danger critique d'extinction. Également originaire d'Australie, la perruche nocturne. Un plaisir absolu pour les observateurs d'oiseaux. Très beaux et mystérieux, ces petits bonhommes vivent dans des régions très éloignées. Tu peux probablement compter sur les doigts de ta main le nombre de fois où ces oiseaux ont été vus depuis qu'ils ont été retrouvés en 1979. C'est dire à quel point ils sont rares. As-tu déjà vu un tarsier pygmé ? Moi non plus. Ce n'est qu'en 2008 que 3 d'entre eux ont été capturés. Les scientifiques ne veulent pas vraiment perdre à nouveau la trace de leurs mouvements, alors ils leur ont donné de tout petits colliers. De cette façon, ils peuvent vivre leur vie aussi heureux que jamais et nous saurons qu'ils sont en sécurité. Le dernier dont je veux te parler est le homard des arbres. Mais comme son nom pourrait te faire penser à tort, ce ne sont pas vraiment des homards. Ce sont juste de grosses bestioles noires avec d'énormes pattes. L'histoire de leur extinction est triste. En 1920, un cargo est resté coincé sur l'île Lord Howe et il y avait des rats à bord. Ces rats se sont enfuis du navire et ont couru directement vers la terre ferme. Même si les homards des arbres sont plus gros que la plupart des insectes, ils sont encore relativement petits comparés aux rats. Les pauvres n'avaient aucune chance. Pourtant, en 2004, la vie a repris son cours pour ces créatures distinctes. 2 scientifiques australiens qui se promenaient sur l'île en ont trouvé 24. Tous vivaient sous un seul arbuste. S'il y a assez d'espace pour tout le monde, ce n'est pas petit, c'est douillet. Conclusion, il vaut mieux être différent qu'éteint. N'est-ce pas ? N'est-ce pas un beau cheval qui se tient là-bas ? Mais attends, il est en train de... dormir ? En réalité, l'animal que tu vois est juste assoupi. Il devra quand même s'allonger pour entrer en sommeil paradoxal, ou REM, qui signifie en anglais « mouvement rapide des yeux ». Chez les humains, c'est le stade où l'on rêve. Tes bras et tes jambes ne peuvent pas bouger pendant le sommeil paradoxal. Si c'était le cas, tu commencerais à mimer tes rêves et tu pourrais te blesser accidentellement. Mais revenons à notre cheval. Même s'il ne fait que somnoler debout, c'est quand même un exploit impressionnant. Tu ne pourras pas en faire de même. Les chevaux ont un système de tendons et de ligaments qui les aident à rester debout avec facilité. Les principales articulations des jambes se bloquent et l'animal peut se détendre et somnoler sans se soucier de s'effondrer sur le sol.
Et au fait, la quantité de sommeil paradoxal dont les chevaux ont besoin est étonnamment faible. Habituellement, c'est une série de courts intervalles, 2 ou 3 heures par jour au total. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de se coucher souvent. Mais certains animaux le font simplement parce qu'ils se sentent plus à l'aise de cette façon. Les chevaux font des siestes lorsqu'ils sont debout, car le sommeil n'est pas assez sûr lorsqu'ils sont couchés. Il est assez difficile pour un cheval de se relever du sol, et c'est une perte de temps précieux. Pendant qu'un cheval lutte pour se relever, un prédateur pourrait s'attaquer à l'animal et en faire son dîner. C'est pourquoi les chevaux ne se couchent que pendant de courtes périodes. Ils ont aussi un système de surveillance spécial. L'un des animaux du groupe surveille les autres pendant qu'ils font la sieste. Chaque membre du troupeau joue le rôle du cheval de garde. Non seulement les chevaux, mais aussi les zèbres, les éléphants, les girafes, certains oiseaux comme les flamants roses et parfois même les vaches peuvent faire la sieste en restant debout. Mais alors, pourquoi pas les humains ? Pour en être capable, il faudrait que tes jambes soient alignées verticalement et que tes genoux puissent se verrouiller. Tu n'aurais alors pas besoin de beaucoup d'efforts pour te maintenir en position verticale. Mais ce n'est pas comme ça que ton corps est construit. Si tu es vraiment épuisé, tu pourrais t'endormir debout. Mais tu te réveillerais immédiatement et cela empêcherait ton corps de heurter le sol. Tes muscles commencent à se détendre progressivement à chaque étape suivante du sommeil. Et très vite, après que tu te sois endormi, ils ne pourront plus te maintenir en position debout. Chut! C'est une nuit d'hiver tranquille et l'oiseau perché sur la branche supérieure de l'arbre semble dormir. Et puis, il y a du bruit! Un humain le remarquerait à peine tant c'est calme. Mais le hibou a une ouïe parfaite. Pour cette créature, c'est encore plus important qu'une bonne vue. En un clin d'œil, l'oiseau bouge. Waouh ! On dirait que sa tête est tournée vers l'arrière ! Les hiboux sont si souples qu'ils peuvent tourner leur tête en un cercle presque complet. Ces oiseaux ont des orbites fixes. Cela signifie donc que leurs yeux ne tournent pas et qu'ils doivent combler cette lacune d'une façon ou d'une autre. La rotation de la tête jusqu'à 270 degrés n'est possible que parce qu'elle est reliée au corps d'une manière particulière et très intelligente. Et les tissus et les vaisseaux sanguins où le cou rencontre le corps ne peuvent pas se rompre. Ils sont conçus pour être courbés. Les hiboux ont également de nombreuses vertèbres, de minuscules os qui forment la colonne vertébrale et le cou. C'est encore un élément qui les aide à effectuer leur tour de tête. Toi, tu as une structure de cou totalement différente, mais elle répond toujours à tous tes besoins. Les humains ont des yeux sphériques et peuvent les bouger librement, contrairement aux hiboux. Tu n'as tout simplement pas besoin que ton cou tourne comme ça. Mais oui, ce serait un super pouvoir. Un requin gobelin nage sans hâte dans les profondeurs de la mer lorsqu'il aperçoit un poisson à l'aspect succulent. Le requin commence à se rapprocher de son futur repas. Mais le poisson remarque le chasseur et tente de s'éloigner. Et alors, comme dans un film d'horreur, le plus gros animal sort sa mâchoire de sa bouche et attrape le poisson. Les terrifiantes mâchoires du requin gobelin sont attachées à des ligaments élastiques. Elles peuvent se déployer à partir de son museau sur une distance allant jusqu'à 8 cm. Cela permet à l'animal de catapulter sa bouche vers l'avant pour attraper un poisson malchanceux, un calmar ou autre. Si seulement ta bouche pouvait faire de même, tu serais alors capable de grignoter des trucs qui pendent à 15 cm de ton visage, sans utiliser tes mains pour les attraper. En revanche, adieu les bonnes manières. Tu es allongé sur ton lit dans une chambre d'hôtel dans un pays tropical et tu regardes paresseusement un petit gecko. Il court sur le sol, il atteint le mur. Regarde, il l'escalade! Et maintenant, il est suspendu à l'envers au-dessus de ta tête! Les geckos peuvent s'accrocher à toutes sortes de surfaces grâce à leurs orteils bulbeux. Ils sont couverts de centaines de poils microscopiques. Et chaque poil, à son tour, se divise en poils encore plus fins. Cela crée un lien physique si fort que les molécules du poil et les molécules de surface commencent à interagir. Et cela crée une attraction électromagnétique. Cette méthode permet aux geckos de se coller et de se décoller les orteils et les pieds à la vitesse de l'éclair. Ils peuvent s'élancer sur différentes surfaces à raison de 20 longueurs de corps par seconde. Malheureusement, ce super pouvoir n'est pas non plus disponible pour les humains. La seule chose que tes doigts et tes orteils puissent faire est de se rider après avoir été longtemps dans l'eau. Cela améliore ton adhérence sur les objets mouillés en canalisant l'eau, tout comme les traces de la pluie sur les pneus de ta voiture. Mais le problème, c'est que tes doigts ressemblent à des pruneaux. Chacun des yeux du tarsier est aussi grand que le cerveau de l'animal. C'est un signe pas très subtil que la vision est cruciale pour ces petits animaux. Leurs énormes globes oculaires ne bougent pas. Un tarsier doit tourner toute sa tête s'il doit regarder à droite ou à gauche. Le bon côté des choses, c'est que l'animal peut voir dans l'obscurité presque totale et chasser les insectes, les lézards et les petits oiseaux même la nuit. Les yeux du tarsier se rassemblent et reflètent les plus petites taches de lumière. Cela donne à la créature une image claire de ce qui se passe autour d'elle. C'est pourquoi ses yeux sont l'équivalent des lunettes de vision nocturne du règne animal. Quant à nous, les humains, nos yeux sont conçus de façon différente. Nous ne voyons exceptionnellement bien que pendant la journée.
Dans une pièce sombre ou à l'extérieur la nuit, il est probable que tu aies du mal à distinguer suffisamment bien les formes ou les couleurs. C'est parce qu'il y a deux types d'organes sensibles à la lumière à l'arrière de tes yeux. Certains sont en forme de cône, d'autres en forme de bâtonnet. Les bâtonnets t'aident à voir dans une lumière faible, mais ils ne te permettent pas de détecter les couleurs. Et les cônes te permettent de voir des détails plus fins et des teintes plus vives, mais ils ne fonctionnent pas quand l'éclairage est faible. Ainsi, une fois qu'il fait nuit, seuls les bâtonnets continuent de réagir à la lumière disponible. Mais comme ils ne peuvent pas distinguer les couleurs, tu ne vois que des nuances de noir, de gris et de blanc. Tu es assis au bord d'une rivière et tu regardes l'eau couler quand un lézard passe à toute vitesse. Oui, en plein sur l'eau. C'est le lézard basilic. Il a de longs orteils spéciaux sur ses pattes arrière, munis de franges de peau qui s'étendent lorsque l'animal est en mouvement. Cela augmente la surface de contact avec l'eau. Le lézard est aussi aidé par le fait qu'il agite ses pattes incroyablement vite. Elles frappent fort contre la surface, ce qui forme de minuscules poches d'air. Ces poches maintiennent le lézard au-dessus de l'eau, mais seulement tant qu'il ne ralentit pas. Même si un humain avait des chaussures spéciales en forme de pied de lézard basilic, elle devrait quand même courir à une vitesse de 105 km/h pour rester à flot. Si tu te retrouves dans les jungles de l'Asie du Sud et du Sud-Est, méfie-toi des serpents. Pourquoi regardes-tu le sol ? On parle de serpents qui volent ! Les serpents volants font penser aux créatures de tes pires cauchemars, mais ils existent vraiment ! Ils ne volent pas vraiment s'il n'y a pas de fort courant d'air ascendant, bien sûr. Ces reptiles sont des planeurs. Ils utilisent la vitesse de la chute libre pour attraper des courants d'air. Une fois qu'ils le font, ce n'est pas un problème pour eux de générer de l'ascendance. À première vue, tu ne pourrais pas distinguer un serpent volant d'un serpent normal. Il a un corps en forme de tube et n'a pas de membres. Mais alors, la créature commence à se préparer pour le décollage. Elle se glisse jusqu'au bout d'une branche et se balance, créant une forme de J avec son corps. Une fois que le serpent se propulse vers le bas, il se transforme en S et devient deux fois plus plat que d'habitude. Son corps rond s'incurve vers l'intérieur et emprisonne l'air. Le reptile peut même faire des loopings en se déplaçant de haut en bas, comme les vagues sur la mer. Le plus cool, c'est que les serpents volants sont encore meilleurs planeurs que les écureuils volants, pourtant bien plus célèbres. C'est une chaude journée d'été, tu es dehors, tu profites du beau temps. Tu veux t'allonger sur l'herbe fraîche, quelque part à l'ombre, juste pour te détendre. Mais... Berk ! On dirait que quelqu'un a craché là, mais c'est en fait la maison d'un Cercopoidea. Ces petits gars sirotent beaucoup de sève aqueuse des plantes et quand ils la traitent, elles forment de nombreuses bulles, pas moins de 150 fois leur masse corporelle par jour. Toutes ces bulles forment un cocon où les jeunes insectes peuvent se développer en toute sécurité. Aucun oiseau ou animal ne veut manger ce cocon car il a un goût amer. Un peu comme si tu léchais une cartouche Nintendo. Pas si vite, monsieur Guépard. Apparemment, la fourmi Dracula est l'animal le plus rapide du monde et le vampire du monde des fourmis. Elle gagnerait sans doute aussi n'importe quel concours du plus gros mangeur de hamburgers puisqu'elle est capable de claquer ses mâchoires 5000 fois plus vite que ton œil ne peut cligner. Pour comprendre la vitesse de la fourmi Dracula, il faut regarder une vidéo de ses mâchoires qui s'entrechoquent à 480 000 coups par seconde. À cette vitesse, tu verras la fourmi bouger lentement ses mandibules. Elle ne court pas, mais sa bouche est rapide et elle bouge ses mâchoires si vite qu'elle se courbe en s'entrechoquant. Bon, les humains aussi peuvent le faire, claquer des doigts de sorte qu'ils se courbent. L'animal le plus sombre qui existe est la poule Ayam Semani. Non seulement elle a des plumes, des yeux et des griffes noires, mais elle a aussi des os noirs. La couleur est en fait noir bleuâtre et elle est très profonde. Si tu goûtes les ailes de cette poule, tu auras l'impression que quelqu'un les a laissées mariner dans du jus de mûre ou de l'encre de sèche. Il semblerait que Marco Polo ait été le premier à avoir découvert ces étranges poules. En 1298, l'explorateur a écrit au sujet d'une race de poules aussi noire que les chats et qui pondrait les meilleurs œufs qui soient. Ce poisson d'eau douce est là depuis le début du XXe siècle et se souvient probablement du bon vieux temps des films en noir et blanc, voire même des films muets. Un buffalo à grande bouche a même atteint l'âge de 112 ans. Il faut dire que les plus vieilles créatures du monde vivent toutes dans la mer. Certaines éponges de haute mer ont 11 000 ans et elles sont toujours en bonne santé. Ce poisson a des branchies incroyables qui lui permettent de retenir son souffle pendant plus de 4 minutes. Voici le poisson cercueil, un animal étrange mais robuste. Il est aussi connu sous le nom de crapaud de mer. En fait, il ressemble beaucoup plus à un crapaud qu'à un poisson classique avec des nageoires et des écailles. Il peut aussi se gonfler grâce à l'eau de mer qu'il avale, si bien qu'il se dilate comme un ballon. Ce super pouvoir permet au poisson de retenir sa respiration pendant quelques minutes, puisqu'il reçoit en fait son oxygène de l'eau qu'il garde à l'intérieur.
Mais cela n'est pas grand-chose en comparaison de l'homme. Le champion du monde peut survivre en retenant sa respiration pendant plus de 20 minutes. Certains animaux fabriquent leurs propres vêtements. Le crabe éponge fabrique une sorte de chapeau à partir d'éponges pour se protéger des méchantes créatures sous-marines. Pour savoir comment les crabes choisissent leur tenue, les chercheurs leur ont donné des éponges en mousse de différentes tailles. Plus le crabe est grand, plus il choisit une grosse éponge. Ils utilisent différentes techniques pour obtenir cette forme parfaite. En commençant par découper un petit trou pour la tête, puis ils voient si la taille leur convient. Si c'est bon, ils continuent à couper et à creuser dans cette éponge jusqu'à ce qu'elle devienne un chapeau parfait. Récemment, des chercheurs ont repéré un papillon de nuit qui buvait les larmes des oiseaux pendant leur sommeil. Jusqu'à présent, il n'y a eu que 3 cas enregistrés d'animaux se nourrissant des larmes d'autres animaux. Il s'agissait de papillons d'Amazonie, d'abeilles solitaires et de papillons de nuit. Leur régime alimentaire habituel comprend surtout du nectar, mais il leur manque des sels essentiels qu'il n'est pas facile de trouver ailleurs. Ils ne boivent pas seulement des larmes d'oiseaux, mais aussi des larmes de tortues, de crocodiles et de nombreux mammifères de la jungle amazonienne. Vraiment ? Des larmes de crocodile ? Certains habitants de la mer peuvent émettre de la lumière rouge. Par exemple, le poisson Malacosteus l'utilise pour attraper son dîner. Les crevettes ne voient pas la lumière rouge, donc ce poisson peut repérer n'importe quelle crevette rouge en émettant des impulsions de lumière rouge et l'attraper sans pour autant faire fuir sa proie. Les mammifères aussi peuvent briller. Un écureuil volant brille sous la lumière UV en émettant une lumière rose. Cela se produit parce qu'il est capable d'absorber la lumière et de la renvoyer dans une autre longueur d'onde. Les ornithorynques n'ont peut-être pas les plus grandes abajoues, mais celles-ci sont certainement les plus bizarres. Ils conservent du gravier à l'intérieur de ces abajoues pour les aider à écraser la nourriture qu'ils mangent. Vers, crustacés, escargots. Ces animaux n'ont pas de dents, donc le gravier est très utile quand il s'agit de mâcher la nourriture. Il fonctionne un peu comme un mixeur. Si les humains avaient les mêmes joues incroyables que les tamias, nous serions capables de transporter nos courses directement dans notre bouche. Les tamias peuvent transporter quelque chose d'aussi grand qu'eux dans leur bagage buccal surdimensionné. Les hamsters ont le même super pouvoir et peuvent même porter leurs petits dans leur bouche, au cas où ils auraient besoin de s'enfuir. Une petite carotte, qui semble minuscule pour un humain, mais significativement plus grosse pour un hamster, peut disparaître sans laisser de traces entre ses énormes joues. La limace de mer des Mariannes, qui vit comme son nom l'indique dans la fosse des Mariannes, est relativement petite, l'équivalent de 2 barres chocolatées. Malgré sa taille, elle peut facilement résister à une pression équivalente à 1600 éléphants empilés sur elle. Elle a une structure corporelle unique, par exemple, elle a des trous dans le crâne. Si son crâne était uniforme et n'avait pas de trous, il ne résisterait jamais à la pression des profondeurs de la fosse des Mariannes. De plus, son squelette cartilagineux est souple et flexible. Elle n'a pas non plus d'yeux, mais elle n'en a pas vraiment besoin, car elle vit dans l'obscurité la plus totale qui règne dans la fosse la plus profonde au monde. Voici maintenant la grenouille Pinocchio. Pas difficile à deviner, son nez peut grandir en un clin d'œil dans diverses situations. Dès qu'elle sent un danger arriver, il s'agrandit. Quand ses grenouilles sont calmes et se sentent en sécurité, tout revient à la normale. Le nez peut aussi s'allonger lorsqu'elles veulent attirer des partenaires et probablement lorsqu'elles racontent un mensonge. Tu aimes quand il pleut ? Tu te prépares probablement une tasse de chocolat chaud, tu te couvres d'une couverture et tu t'assieds sur le rebord de la fenêtre en regardant ces gouttes qui tombent sur le carreau. Si tu aimes ça, tu n'es certainement pas un rhinopithèque de Striker, récemment découvert en Birmanie. Ses narines sont tellement retroussées et exposées au monde extérieur qu'il éternue à chaque fois qu'il pleut. Mais si tu étais dans la chorale de ton école, vous avez un point commun. Les rhinopithèques adorent chanter en chœur. Les dauphins roses de l'Amazone ne sont pas nés de cette couleur. Leurs petits sont toujours gris, mais plus ils grandissent, plus ils deviennent roses. Un peu comme les humains se rident en vieillissant. Tu n'aimerais pas rosir avec l'âge plutôt qu'avoir des rides ? Tu aimerais certainement être un termite pour leur capacité à se passer de sommeil. Ils ne dorment jamais et la seule chose qu'ils fassent est de grignoter les bouts de bois qu'ils voient autour d'eux. Si tu as peur de prendre du poids à cause d'un régime riche en cellulose, tu pourrais probablement te transformer en escargot. Ils font une sieste énergétique pendant quelques heures et peuvent ensuite avancer sans dormir jusqu'à 30 heures d'affilée. Aucun poisson ne peut survivre longtemps sans eau, à l'exception du dipneuste africain.
Quand il sent que quelque chose ne va pas, il se met à sécréter un cocon de mucus et s'enfouit sous terre, à peu près 23 cm sous la surface. Il a un tube intégré pour respirer. Les vétas des montagnes rocheuses, originaires de Nouvelle-Zélande, ne craignent pas les changements de température drastiques. Leur sang contient une protéine spéciale qui l'empêche de se cristalliser en cas de températures extrêmes. Ils tolèrent mieux le froid que les ours polaires et même que les manchots, qui vivent dans l'endroit le plus froid du monde, l'Antarctique. Les lémuriens Makikata ont l'une des façons les plus incroyables de résoudre les conflits. Ils font des combats d'odeurs. Si tu prends en compte le nombre moyen de lémuriens dans un groupe, environ 20 ou 30, tu verras qu'il y a beaucoup de concurrence. Leurs glandes odorantes se trouvent sur leurs poignets et leurs épaules. Celles qui se trouvent sur les poignets sont inoffensives, l'odeur qu'elles produisent est assez volatile. Celles sur les épaules sont autrement plus méchantes et produisent une pâte brune à l'odeur nauséabonde qui durerait plus longtemps que n'importe quel parfum. Oh oh, les méchants sont partout sur la planète Terre. On ne saura jamais pourquoi ils sont soudain tous apparus. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un héros. Avec un peu de chance, un héros qui n'arbore pas ses sous-vêtements à la vue de tous. Il est temps de passer à l'action, les scientifiques. Dans le laboratoire, ils sont déjà occupés à sélectionner les meilleurs échantillons d'ADN que la nature a à offrir. Le plan ? Prendre les meilleurs éléments de différents animaux et les mélanger pour obtenir le sérum de super-héros ultime entièrement naturel. Les super-héros sont rapides, voire très rapides. Le héros de la nature a besoin de réflexes vifs et aucun n'est comparable aux mouches du genre Dolichopodidae. Lorsqu'elle est effrayée, cette mouche a un délai de réponse de moins de 5 millisecondes. Si tu essaies de la prendre en photo, elle apparaîtra floue 9 fois sur 10. Elle n'est probablement juste pas photogénique. Mais être capable d'esquiver une photo n'est peut-être pas la compétence précise dont notre héros a besoin. Que dis-tu d'un peu de l'ADN d'un des invertébrés les plus intelligents ? Je parle de réflexes rapides comme l'éclair et d'une incroyable capacité de réaction. Les pieuvres sont parmi les plus grandes expertes de la nature en matière d'évasion. Elles sont même plus intelligentes que certains humains. Peut-être même que de beaucoup d'humains. Chaque pieuvre a 3 cœurs et 9 cerveaux. Oh, et elle déteste porter un costume pour travailler. Chaque bras, en réalité ce ne sont pas des tentacules, a son propre système nerveux, avec un cerveau central en forme de beignet qui contrôle le corps dans son ensemble. Cela signifie que chaque bras peut se déplacer librement, comme s'il était un individu à part entière. Il peut réagir plus vite qu'un joueur de baseball professionnel, même avec 8 gants de baseball. Mais ce n'est pas tout ce que la pieuvre peut donner à notre héros. Tout comme les sèches, elles ont des talents de camouflage épatants. Leur peau peut correspondre à la couleur, à la texture et aux motifs de leur environnement. Les championnes du jeu de cache-cache. Les membres de cette famille, donc principalement le calmar, la sèche, les escargots, les limaces et la pieuvre, super géniales, sont pourtant daltoniens. Les scientifiques sont aussi confus que toi. Ce qui rend ces créatures uniques, c'est qu'elles ont des cellules qui détectent la lumière sur toute leur peau, et pas seulement dans leurs yeux. Imagine que tu puisses voir avec tout ton corps. Une vision à 360 degrés, pas mal pour un super-héros. La super-force est le prochain défi, et le bousier est prêt à passer à l'action. Il peut charrier plus de 1000 fois son propre poids, donc proportionnellement au poids du corps, c'est l'animal le plus fort qui existe. C'est comme si tu traînais 13 éléphants ou 35 000 chihuahuas. D'où viennent tous ces chiens d'ailleurs ? Le bousier nous laisse croire que c'est facile. En plus, il déplace ses objets en se tenant en équilibre sur les mains. Notre héros a vraiment besoin de cela. Il est temps de se protéger. Si tu t'attends à ce que la nature nous prête l'ADN de la peau d'un pangolin ou d'un tatou, tu serais bien loin du compte. Le héros de la nature a besoin d'être agile lui aussi. Le mieux est de lui incorporer un peu d'ADN de peau de chameau. C'est un animal du désert, il est donc logique que sa peau soit incroyablement résistante. Il peut résister au sable chaud et ardent du désert et au soleil brûlant. Au moins, les scientifiques n'ont pas choisi la peau de baleine, même si c'est de loin la plus résistante. Avoir une peau qui fait plus de 30 cm d'épaisseur peut offrir une grande protection à un super-héros, mais pourrait constituer un réel problème lorsqu'il s'agit de franchir une porte. La vie a besoin de deux éléments principaux pour subsister, de l'oxygène et de l'eau. Notre héros ne devrait pas avoir à se soucier de ce genre de choses, surtout si des méchants sont dans le coin.
Les scientifiques décident de mélanger l'ADN d'une petite Barbourula calimantanensis et celui d'un lézard diable cornu. Ainsi, notre héros n'aura plus jamais à se rendre à la supérette pour acheter de l'eau en bouteille. La Barbourula calimantanensis n'a pas besoin de poumons puisque son corps absorbe l'oxygène par sa peau. Le fait qu'elle soit si plate lui assure une surface énorme. Ce n'est pas vraiment le moyen le plus efficace d'obtenir de l'oxygène, il est donc bon que la grenouille n'ait pas besoin de trop se déplacer. Le diable cornu peut assurer la protection de notre héros, mais il maîtrise aussi une technique astucieuse de transport de l'eau. Il aspire l'eau par ses pattes, il n'a donc jamais besoin de s'arrêter pour boire. Tout comme une éponge, l'eau défie la gravité et est aspirée vers le haut. Par conséquent, le héros de la nature n'a qu'à marcher sur quelque chose de mouillé plutôt que de transporter une bouteille. Être un super-héros est un travail ardu et qui prend du temps. Nous ne voulons pas que notre héros ait besoin de s'arrêter pour manger un taco toutes les 2 heures au lieu de sauver le monde. L'Elysie Emerald s'aventure dans les eaux peu profondes à la recherche de délicieuses algues. Une fois qu'elle a fait son plein, elle est satisfaite, pour des mois ou même pour toujours. C'est l'un des seuls animaux sur Terre capable de photosynthèse, ce que font les plantes pour obtenir de l'énergie. Il est en fait sa propre batterie solaire. Il n'a pas besoin de s'arrêter et de manger tout le temps comme nous, ce qui permet aussi de gagner du temps quant au passage aux toilettes. Fini les post-toilettes pour la nouvelle race de héros de la nature. On prend un peu de cet ADN dans le mélange, ça c'est sûr. Tous les super-héros ont une forme de super-vitesse. Le héros de la nature a précisément besoin de cela. Il est temps de parler de vitesse de vol. Le faucon pèlerin peut facilement atteindre une vitesse de 90 km/h en battant des ailes. Ce n'est pas exactement la vélocité de l'éclair, mais sa véritable vitesse est celle de son plongeon. Le faucon repère sa cible à distance, fait quelques calculs rapides et plonge à plus de 320 km/h avec une précision extrême. Le corps de cet oiseau a évolué pour être totalement aérodynamique. En plongeant, ils restent capables de respirer par le nez et de voir leur dîner. Ils ont une tige et une sorte de déflecteur dans chaque narine pour ralentir le flux d'air. Leurs yeux ont des boucliers spéciaux qui bloquent la poussière. Et bam, le dîner est servi. Une plongée aussi rapide est formidable, mais le héros de la nature doit aussi pouvoir voler droit. Nous allons donc lui apporter une grande maniabilité. Cela demande un pilote très spécial, mais ce ne sera pas un oiseau. Le molosse du Brésil ne pèse pas grand-chose, mais cela ne l'empêche pas d'être la plus agile des créatures volantes. Pouvant atteindre une vitesse de 160 km/h en vol horizontal, ce petit mammifère est l'acrobate de la nature dans le ciel. On aura certainement besoin d'un peu de ça. Légèreté et agilité, une combinaison parfaite pour le héros de la nature. De plus, la vision biosonar d'une chauve-souris peut s'avérer utile pour résoudre des crimes nocturnes. Nous avons la rapidité et la force, voilà une bonne combinaison. Mais ce dont un vrai héros a besoin, c'est un peu de puissance explosive. Le héros de la nature va avoir besoin de la puissance de la crevette mante. Elle a une force de frappe de 155 kg. C'est comme si un panda te tombait dessus. Sa vitesse de frappe est de 80 km/h sous l'eau, ce qui est si rapide qu'elle crée une onde de choc. Si le premier coup ne t'atteint pas, l'onde de choc le fera. Son swing est si puissant et si rapide qu'elle peut même faire bouillir l'eau. Le héros de la nature va aussi avoir besoin d'une bonne dose de la mâchoire la plus rapide du monde. L'Odontomachus peut refermer ses mâchoires à une vitesse incroyable de 230 km/h, soit 2000 fois plus vite que la vitesse à laquelle on cligne des yeux. Et plus vite que je ne peux lire ceci. Cette morsure n'est pas seulement une protection, elle l'utilise aussi pour disposer d'un gadget élégant. Leur propre siège éjectable. Lorsqu'elle mord le sol à la vitesse de l'éclair, elle peut s'élancer à 46 cm dans les airs. Ça ne semble pas très haut, mais quand elles le font tout en groupe, on dirait du pop-corn de fourmis partout. À l'échelle humaine, le héros de la nature ferait un sérieux bond vertical. La nature a préparé notre héros à survivre, à voler, à accélérer, à se camoufler, à ne jamais avoir besoin d'utiliser les toilettes publiques, à sauter avec sa bouche, à boire l'eau d'une flaque. De quels autres pouvoirs le héros de la nature aurait-il besoin? Qu'en est-il de la durabilité? Pour donner à notre héros la meilleure chance de survie, nous devons lui injecter une grosse cuillère d'ADN de tardigrade, surnommée parfois « ourson d'eau ». Cette minuscule créature ne vit que 2 ans, lorsqu'elle n'est pas exposée à des conditions extrêmes.
ce qui n'est pas exactement un record mondial. Alors qu'est-ce qui la rend si spéciale? Cette petite créature est présente sur toute la planète dans des endroits vraiment extrêmes. L'Antarctique, le désert du Sahara, même sur le mont Everest. Elle peut même survivre dans l'espace sans combinaison spatiale. Les astronautes les ont mises à l'extérieur de leur station spatiale pendant 10 jours, sans eau, sans oxygène, sans nourriture. Comment ont-elles survécu? Elles peuvent se mettre en hibernation à volonté. Donc quand les choses se compliquent, elles ralentissent leurs fonctions corporelles, jusqu'à ce que quelqu'un soit assez gentil pour les laisser revenir dans la station spatiale. Avec un peu d'ADN de tardigrade, le héros de la nature pourrait survivre à n'importe quoi. Voici le parfait sérum d'ADN de super-héros. Espérons que cette recette ne tombera pas entre de mauvaises mains.